J'ai une appli là pour trouver de la musique libre de droit. C'est un abonnement en fait. Et de temps en temps, il y a des petites pépites comme ça. J'ai deux familles. Où je vous range les chansons. J'ai un truc que j'appelle rock. Sam, parce que je suis vieux et j'aime quand il y a des guitares et des batteries qui font du bruit. Et puis j'ai un truc qui s'appelle ambiante. Sam, c'est moi. Un truc un peu plus chill, un peu plus tranquille quoi. Et là, en arrivant, en ouvrant mon petit logiciel, je suis tombé sur cette petite pépite que je trouve plutôt sympa en vrai. Voilà. Et j'ai plus envie de me la remettre. Attendez. Oh putain, je l'ai perdu, je sais pas où elle est. Je l'ai mis dans mes. Merde, je sais pas laquelle c'est. Runaway. Oui, ah, c'est celle-là. Ça vous dit de la réécouter un petit bout? Ça vous dérange pas? Tu penses quoi du groupe Radiohead? Vatek? Mais qu'est-ce qu'on peut penser du groupe Radiohead à part que c'est un des plus grands groupes de l'histoire du rock ever? On parle de Radiohead. Radiohead, c'est. Comment il s'appelle le chanteur? Tom York? Non, c'est Tom son prénom, je sais plus. York? Je confonds toujours. C'est Tom York le chanteur de Radiohead? Je suis pas sûr pour le prénom. J'ai un doute. C'est ça? Yanny Twitch, c'est ça? Tom York? Ah, yes. Ouais. Je confonds toujours avec Jambon. Jambon Turc. Moi, je pense qu'il faut se la réécouter celle-ci. Parce qu'elle est pas mal. Pourquoi j'ai pas fait la matinale ce matin, Alexandra? Parce que j'ai streamé jusqu'à 2h30, 3h du matin mon Valorant, là, pour devenir champion du monde. Et que je ne voulais pas partir. Circe qui dit Radiohead, c'est les meilleurs, mais bien sûr. Mon rêve, c'est de voir Radiohead en concert. Bon, je pense que j'aurais peut-être dû le faire avant. Et en fait, je me suis couché trop tard, parce qu'on s'était dit, Samuel, tu ne cut pas le stream tant que tu n'as pas gagné. Et j'étais pas sur une soirée... de win absolu quoi. Juste pour le plaisir, Runaway with me. Let's go.
Ça doit être ça normalement. Fireball. You got me feeling like firebolt. High in the sky. Looking like a thunderstorm. Et après, on joue. Comme ça, au hasard de ma petite appli de musique, eh bien, je tombe sur des petites pépites. On l'a fait deux fois, du coup, celle-ci. On range le plus gros, il y a des bouteilles d'eau partout, c'est dégoûtant. Pff, oh là là, c'est pas possible, c'est belle. On range un peu. Voilà, ici, on marche au café et à l'eau, et au mouchoir. Et au mouchoir, parce que j'ai attrapé froid cet après-midi. Je sais pas comment. J'ai passé l'après-midi sur mon ordi à faire des trucs, à bosser sur des trucs, ouais, pour vous. Des projets, des streams, des machins. Moi, j'avais plein de retard sur plein de mails, des dossiers que je devais traiter et tout. Donc, finalement, parfois, dans un mal est un bien. Et donc, hier soir, le fait de streamer très tard, trop tard, voilà, parce que je ne voulais pas partir sur une défaite, et des défaites dans Valorant, j'en connais, et j'en connais beaucoup. Du coup, on a streamé tard, on a joué tard, c'est un stream de 5h40, je crois, hier, sur Valo, on s'est régalé. Du coup, ben, j'avais très peu de sommeil, et je savais que j'avais un millier de dossiers, de trucs à traiter en retard. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas fait de revue de presse. Hier, j'ai dormi un tout petit peu et après, j'ai passé ma journée sur l'ordi et là, j'ai rattrapé quasiment tout mon retard sur tous les dossiers, tous les streams, tous les trucs en préparation, les petits trucs sympas et tout. Voilà. Donc ça, c'est fait et du coup, bah, on reprend le rythme normal. Petit Valo ce soir, tranquille. Là, j'ai passé le mardi soir, je dîne avec mon amoureuse. Donc tous les mardis soirs, un petit moment tous les deux. Et là, je sors de table, petite pizza, voilà, parce que je n'ai pas trop mangé aujourd'hui et j'ai un centre de gravité qui est super bas. Là, j'ai un centre de gravité qui est super bas. Alors, j'ai évité la tentation de la pizza 4 fromages, qui est pourtant juste la pizza. Enfin, la pizza, c'est la pizza 4 fromages. Alexandra, merci. J'ai vu ton info sur le micro qui était coupé, c'est adorable. J'ai résisté à la calzone. La calzone. Une calzone, quand c'est bien fait. J'ai pris une pizza végétarienne, mais elle était grosse quand même. Donc, j'ai un centre de gravité qui est entre les genoux et les chevilles, qui est très très bas. Voilà. Voilà. Bon, je suis un peu lourd,
Go jouer en costume demain. Je sais pourquoi vous dites ça, parce qu'effectivement, oui, je sais. En fait, j'ai une photo, j'ai pas 1000 photos de moi que j'utilise pour mes visuels, c'est un peu toujours la même. Alors, bonne nouvelle, sachez que j'ai d'autres photos qui arrivent, ouais, mais je trouvais marrant, en fait, je trouvais assez drôle de voir ma tête, ma même tête, ma même veste sur tous mes visuels depuis bientôt 3 ans. Voilà. Minos dit qu'il faudrait refaire des photos gamer. Qu'est-ce que ça veut dire une photo gamer ? Je sais ce que ça veut dire, Minos. Toi, tu veux me voir en suite. Hein. Toi, tu me vois en casquette. Hein. Tu veux me voir en mode un peu streamer, quoi. En mode dark. Voilà. Mark my words. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. De ma vie, jamais, je ne porterai un suite. Jamais. J'aime pas ça. C'est pas mon style du tout. Jamais de ma vie, je porterai un suite. Jamais. Voilà. Jamais de ma vie, en stream, vous me verrez en suite ou en casquette. Je me dois un minimum d'élégance. Voilà. Je vous le dois. Donc, hors de question de se relâcher. Voilà. Pas de suite. Voilà. Pas de capuche. On dirait le Père Noël, nom de Dieu. Tiens, je voulais faire Dark Rapper, on dirait le Père Noël, nom de Dieu. Voilà. Pas de capuche. Pas de casquette. Voilà, pas de suite. Non. Donc, du coup, vous avez cette photo. Tout ça pour vous dire, les amis, que demain soir, il y a Coltimandia qui dit « Alors, tu t'es amélioré ?» Depuis hier soir ? Alors, depuis hier soir, j'ai dormi 3 heures. J'ai bossé toute la journée. Je suis assez content, d'ailleurs. Et j'ai dîné avec mon amoureuse. D'où ? C'est quoi cette question ? Où est-ce que tu es ? Je retrouve ton solo, que je te crie dessus. T'es où ? Coltimandia, d'où je peux m'être amélioré entre hier soir et maintenant ? Mais ça cherche le ban, hein ? D'où je me suis amélioré depuis hier soir ? Quand ? Hein ? Si tu peux... D'où ? J'adore. Ils sont fous, ces gens. Elliot Ben, merci pour... j'aime pas tousser dans les oreilles des gens. Elliot Ben, merci pour... Elliot Ben, merci pour le soutien. Silac, merci pour le prime. Camille, Nota Girl, merci pour le 30e mois d'abonnement. Camille, le petit badge... Le nouveau petit badge, le petit mug blanc avec le cœur rouge, il est pour toi. GTP Colin, merci pour le prime. Imagio, merci pour le prime. Seigneur Tilly, merci pour le prime. Iris Vell, je connais très bien Iris, merci pour le prime. Le bon poulet 38, Cocoche du 13-013 et Chic Infiac, très mystérieux. Merci. Ça, c'est demain soir, les amis. Kétéjou, merci pour l'abonnement offert à la commu à l'instant. Ça, c'est demain soir. Tous les mercredis depuis quelques semaines, on prend l'habitude de jouer avec les amis. Le mercredi, on joue avec les amis. Pour certains, le mercredi, c'est Ravioli. Pas du tout ici, c'est le mercredi, on joue avec les amis. Je joue avec Joe, qui est mon partenaire de crime sur Twitch, avec qui je fais plein de trucs. Voilà, qui est un excellent réalisateur et producteur artistique. C'est le D, c'est Joe. Il est le retour. Pépin, c'est la streameuse, la graphiste, l'artiste que vous connaissez, que vous aimez. Pépin qui lèche les globes oculaires. Il faut avoir la ref. Il faut connaître son univers. Et là, d'une phrase super bizarre, on arrive à un truc tout à fait normal. C'est juste la fille la plus gentille du monde. Elle a un cœur comme ça. Voilà. Elle a un cœur qui est plus gros que la pizza que j'ai mangée ce soir. Donc Pépin de retour, c'est aussi celle qui signe tous les visuels et tous les badges de cette chaîne. Et puis le retour de K.O., hop, à gauche ici K.O., qui est venu dans Ça me plaît me faire découvrir A Plague Tale, excellent jeu français qui se déroule autant de la peste noire. On a ri, elle m'a fait rire K.O., elle a un sacré sens de l'humour, elle est top. K.O. et c'est quoi, c'est last but not least, la dernière mais pas la moindre, Juliette Arz, ceux qui savent. Qui est Juliette Arz? C'est une streameuse, elle vit à Montpellier bien sûr, mais Juliette Arz, c'est surtout celle qui m'a fait découvrir Valorant. Tous les dimanches soirs 20h, je reçois une invitée pour me faire découvrir un jeu. Un jour, Juliette a sonné à la porte. Ding, ding. Je fais aussi les effets spéciaux, les bruitages, tout ça. Ding, ding. J'ouvre la porte, comme ça. Bonjour. Ouais. Elle me dit, je suis Juliette Arz. Voilà, je viens pour une révélation. Voilà, ta vie va s'illuminer. Je fais, ok, d'accord. Témoin de Jéhovah, je pensais que c'était terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vends un calendrier. T'es scout. C'est quoi l'histoire? Elle me regarde et me fait, t'inquiète.
Elle rentre. Je l'ai pas invitée. Elle rentre. Elle s'assoit sur le canapé. Elle me dit, vas-y, allume le PC, c'est parti, quoi. Je dis, quoi ? Ça va, t'es... Juliette Arz. Ok, on lance. Hop, Valorant, elle me dit... Je lui dis, c'est quoi ? Elle me dit, c'est un jeu, tu tires sur des gens et tout. Ok, d'accord. Samuel Etienne, le mec le plus gentil de la Terre, le plus doux. Ok, tu veux que je joue à un jeu ? On tire sur des gens. Quel intérêt, quoi ? Va plutôt vendre tes calendriers, je lui dis. Voilà. Et en fait, le PC s'allume. Et là... Boum ! L'addiction. Tac ! Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, je dis, ouais, c'est quoi ce jeu, quoi ? Voilà. Et voilà, exactement comme le dit Minos, au premier lancer de grenade, c'était perdu. C'était fini. Voilà. Et c'est Juliette Arz, qui était mon invité dans Simplay. En vrai, je sais qui c'était. Hein. Je savais que c'était pas un témoin de Jéhovah ou une vendeuse de calendrier de scout. Et donc, Juliette est venue me faire découvrir Valorant dans Simplay il y a quelques semaines. Et en fait, j'aurais parié n'importe quoi que je n'allais pas rejouer à ce jeu, quoi, sur le papier. Hein. Ouais, tu te planques derrière des caisses et tu tires sur des gens qui tirent beaucoup plus vite que toi. Donc, en fait, tu meurs beaucoup. Et en fait, voilà, l'addiction. Et donc, Juliette revient. Elle est là demain soir. Chacun chez soi, hein, chacun sur sa chaîne. Juliette sur la chaîne de Juliette, Joe. Sur la chaîne Joe Coco, K.O. sur la chaîne de K.O., Pépin sur la chaîne de Pépin et Samuel sur la chaîne de Samuel. Et on va jouer tous ensemble à Valo. Et on est combien ? Alors je sais que tout le monde n'est pas fort en maths ici, mais faites un effort. 1, 2, 3, 4, 5. Une team sur Valo. Non, on n'est pas 12. Oh là là, faites un effort. Oh, vous n'êtes pas fort. Voilà. Donc demain, ben en fait, on va streamer l'émission chacun chez soi et on va faire une team, sachant que Juliette sait jouer. K.O. a joué il y a longtemps. Pépin va découvrir le jeu. Joe va découvrir le jeu. Et moi, comment dire ? Et moi, je le découvre tous les soirs parce que bon, j'essaie de progresser, mais en vrai, je repars quasiment à zéro tous les soirs, quoi. On va se marrer. Bon, après, Joe, c'est un gamer. Mais il va découvrir quoi. Oh là là. Mais non, bah, Détroit Become Human, c'est pas terminé. Fais-moi un steak. Ça revient bientôt. C'est juste que j'ai une petite addiction. Là, ça revient. Peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. On n'abandonne pas bébé dans un coin. On n'abandonne pas. Merci, Elliot, pour le message. C'est trop mignon. Ah, c'est trop sympa. On n'abandonne pas bébé dans un coin. Il faut être vieux pour avoir la ref. On n'abandonne pas. Je sais plus ce que je voulais dire. J'avais une connerie en tête. On n'abandonne pas The Witcher 3 dans un coin. On n'abandonne pas Detroit Become Human dans un coin. On n'abandonne pas Rocket League, parce que j'ai joué aussi, dans un coin. On n'abandonne pas Fall Guys dans un coin. Voilà. Donc ça va revenir. Mais là, il faut que j'aille au bout de cet arc Valorant, sachant que je n'arrêterai pas ce jeu. Tant que je ne suis pas quoi ? Non, pas pro. Champion du monde, pro. J'ai une tête à... Champion du monde. Attends, à une soirée, je suis allé récemment dire « Ah, c'est cool, Sam, ton projet rigolo qui fait rire tout le monde de devenir pro et faire de l'e-sport sur Valorant. » Je l'ai fait. Quoi ? Je l'ai regardé comme ça. Enfin, comme ça, parce qu'il était très grand. Et comme ça aussi. Quoi ? E-sport ? Non, t'as rien compris. Voilà. Champion du monde. Voilà, je lui fais une clé de bras. Tac. Direct. Je peux te dire qu'il faisait moins le malin. Ouais, exactement. J'ose espérer que tu lui as mis 41 gifs pour ses propos intolérables. Non. Non, parce que je suis un chouette. Au fond de moi, je suis un chouette garçon. Sauf dans Valorant, où il y a un petit côté dark quand même qui reprend le dessus parfois. Trunk 85, merci beaucoup pour ce soutien, ce deuxième mois d'abonnement. Vous êtes géniaux. Je vous aime. Staron Point, merci pour le Prime. GL2OQ. Attends, je pense que je l'ai mal lu, qu'il y a une blague là. GL2OQ. Non, il y a une blague. GL2OQ. Il y a OQ à la fin, donc je. Il y a une blague. J'ai deux L. Non, c'est GL2. Non, il l'a mis dans ce sens-là. Non, c'est pas G2LOQ. Non, il a écrit. Regardez, c'est GL2OQ. Non! Non, chez moi, c'est GL2OQ. Ou alors, il a voulu faire une blague, mais il s'est raté.
Ou alors il est dyslexique. En tout cas, en tout cas, merci pour le soutien, c'est adorable. Dinodent, voilà. Qui est donc sponsorisé par une marque de dentifrice, vient de lâcher son deuxième mois d'abonnement. Merci à toi, vous êtes formidable, je vous aime. Ah, t'es un peu baka, me dit Pépito. Ben ouais, j'ai aucune idée de ce que c'est, baka, mais ouais. Je sens que. C'est quoi mon rank sur Valorant, l'inspecteur Nana? Je suis fer 1. Je suis fer 1. Attends, je suis le plus bas niveau possible. Je navigue entre fer 1 et fer 2. J'ai deux objectifs dans la vie. Le premier objectif, c'est de devenir champion du monde. Et avant, c'est de devenir fer 3. Voilà, je suis fer 1, fer 2. Voilà, je navigue entre fer 1 et fer 2. Voilà. Et un jour, fer 3. Ouais, je suis descendu. Ouais. Oh, bah, hier, ça a été dur. Hein. Neslo, tu te laisses combien de temps avant de devenir champion du monde? Bah, c'est là où je suis prudent. C'est-à-dire que je donne un objectif, mais je ne donne pas de timing. Hein. On va se calmer. Hein. Ouais. Tu ne dois pas être président de la République? Si, bien sûr, aventurier. 2027, président de la République. Et alors? L'un n'exclut pas l'autre. Je serai le premier président de la 5e République, champion du monde de Valorant. Voilà. Zébulon pose la question aussi. Je n'oublie pas cet objectif. Trunks85, merci pour le deuxième mois. Voilà. Penses-tu acheter des skins? Non. Oliman. Tant que je suis à ce niveau-là j'allais dire un gros mot. Ce niveau pas terrible, je n'achète pas de skins. Je ne veux pas apparaître avec des skins de fou où les mates se disent putain, lui il a des skins. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non. Je veux que mon arme annonce la couleur en disant bon les gars, lui il débute, on va être gentil avec lui quoi. Donc pas de skin. Si tu passes bronze, est-ce que tu mériteras un skin? Ouais. Je pense qu'à bronze, skin. Ouais. Coltimandia, Samuel, le P de ta casquette, c'est pour quoi? C'est pour P. C'est P. C'est P pour P. Le mot P. Voilà. Voilà. P. Moi, je suis très P. Voilà. P, P, P. Non. P à X. La paix dans le monde. Pas j'ai mangé trop de faillots. La paix. Pas le paix. Ah non. Eh les gars, j'ai pas un super micro pour que vous fassiez ce genre d'erreur. La paix. Pas le paix. Pas le paix. 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 Ok, pas P. Vous voyez, pas pareil. P pour président aussi. Ouais. Non, non, non. J'ai dit P. Pas P. Enfin, j'ai dit P, pas P. Enfin, bref, vous m'avez suivi. Ah, P pour platine sur Valo. On t'a perdu déjà, dit Camille, de ta gueule. On m'a perdu il y a très longtemps, en fait. Hein. On m'a perdu il y a très, très longtemps, en fait. Il y a un moment, j'ai décrété. Allez, maintenant, je m'en bats les couilles. Maintenant, hein, la vie, on va pas la subir, on va la vivre. J'ai envie de faire ça, je le fais. Bah si c'est légal, hein, si c'est légal, si c'est légal, ou alors si c'est légal mais qu'on m'attrape pas. T'as envie de faire ça, je le fais. Voilà. Ça te saoule ça? Ah bah tu fais pas. Voilà. Ce job là, il est pas bon. On change. Ce job il est sympa, mais alors cette équipe elle est pas très. On s'en va. Alors ce job est top, cette entreprise est géniale, mais alors ce chef là, vraiment il est vraiment trop toxique. On se barre. Ça fait très longtemps que j'ai décrété que ça va, on est là qu'une fois, qu'on va passer non plus. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis beaucoup de bêtises, parce que ici je suis tout seul, je n'engage que ma responsabilité. Je n'ai pas à faire attention à ce que je dis pour ne pas gêner les gens avec qui je travaille. Voilà. Personne dans cette pièce, il y a moi, Tintin et les petits robots là. Et donc du coup, ben, je dis tout ce que je peux dire. Oh, ça c'est beau, il y a Axe Magique dans le chat qui dit « Coucou Samuel, je suis le gars qui t'a remis la médaille des 10 km des Champs-Élysées. » Incroyable. Et merci Axe Magique. Il y a Deux Flash qui dit « Hier, je t'ai vu en train de... » Oh putain. Alors je suis un peu foufou, mais il y a des messages que je peux pas lire. Le tien me fait beaucoup rire, donc je vous laisse lire le message de The Flash 62. Dans le chat, je ne peux pas lire ce message. Je trouve ça très drôle, mais je peux pas. Parce qu'il y a peut-être des mineurs, il y a peut-être des jeunes et tout là. Je ne veux pas choquer. Je ne veux pas choquer. Je botte en touche. Mais coucou à ta maman. Coucou à ta maman quand même. Voilà. Oui, j'ai donné la médaille aux enfants. Oh, Solal et Malo, surtout Solal, le petit, il était tellement content. Ouais, les médailles, je les donne. Voilà. Bon, les amis. On va pas tergiverser. Bah alors la caméra. On va pas
comme le disait le grand poète Paul Éluard, poète que j'adore. Attends, je vais vous citer un vers de Paul Éluard. Paul Éluard, c'est un poète surréaliste qui était proche des surréalistes, qui était proche de, d'André Breton, de Dali, tout ça. D'ailleurs, je crois que Dali lui a piqué sa meuf, qui s'appelait Gala d'ailleurs. Et je crois que Paul Éluard, il s'est fait piquer sa meuf par Dali, qui est comme un sacré connard. Excusez-moi. Je vais vous lire un extrait d'un poème de Paul Éluard. Et dans ce poème, il y a la courbe de tes yeux. C'est très très beau. On n'est pas là, on n'est pas là juste pour être foufou. Voilà. C'est un poème de Paul Éluard. C'est un extrait. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Ça c'est là. Voilà. À un moment, il y a un gars qui prend des mots et il fait ça. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Paul Éluard. Un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. C'est beau, hein ? Voilà. Il y a un autre extrait d'un poème de Paul Éluard que j'adore, c'est dedans, dans la il y a une phrase dedans qui est c'est un truc de mémoire, c'est « Et partout où elle est passée, elle a laissé l'empreinte des choses brisées. » Partout, elle a laissé, je vous le retrouve, l'empreinte, c'est magique Internet. Des choses, un truc comme ça. Je vais essayer de. Ouais, je l'ai. Paul Éluard. Ça, c'est beau, ça. Putain, les mecs, il y a des gars qui étaient venus pour jouer à Valorant et ils se retrouvent avec Paul Éluard, quoi. Vraiment, ce stream, c'est pas possible, quoi. Elle se refuse toujours à comprendre, à entendre. Elle rit pour cacher sa terreur d'elle-même. Elle a toujours marché sous les arches des nuits et partout où elle a passé, elle a laissé l'empreinte des choses brisées. Paul Éluard. Ouais, j'adore. Polo, j'adore. C'est un de mes poètes préférés. Et donc, comme disait Paul Éluard aussi dans un autre poème, et ça va s'appliquer à ce soir, on va jouer très vite, on va y aller direct. Comme le disait Paul Éluard dans un autre poème, eh bien, on ne va pas tortiller du cul. Voilà. Ça, c'est un poème qui n'est pas très, très connu de Paul Éluard, mais moi, je l'ai lu une fois, et Paul Éluard, il a dit ça un jour. Et je pense que ça s'applique très bien ce soir. On ne va pas tortiller du cul, exactement. Merci, Hélène Dill, pour le troisième mois d'abonnement. Bonsoir. Solal, ça vient bien sûr d'Albert Cohen. Quelqu'un me demande d'où vient le prénom Solal. Quand tu aimes la littérature, en général, tu te dis, hop, ça vient d'Albert Cohen, qui est un grand écrivain qui a écrit des choses magnifiques, notamment sur sa maman disparue, un livre... Qui va vous faire fondre le cœur, le livre de ma mère de Paul Éluard. Et Paul Éluard, il a aussi écrit un livre qui s'appelle Belle du Seigneur, qui est un énorme pavé de 800 pages, mais qui est un livre incroyable sur l'amour fou, et comment justement, quelque part, l'amour fou et l'amour passion n'est pas forcément le truc le plus idéal à vivre. En tout cas, quand ça arrive dans ces extrêmes-là, voilà, l'histoire d'une histoire d'amour entre Ariane, qui est mariée d'ailleurs, Ariane, hein, avec un autre. Je me demande si le mec ne s'appelle pas Adrien II, moi, mais comme ça. Et elle tombe amoureuse de Solal, qui est un diplomate de haute volée, extrêmement brillant, beau gosse. Oui, un peu comme ça. Qui travaille à la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU. On est, je crois, entre les deux guerres. Et on est sur fond de montée de l'antisémitisme dans l'Europe. Et, voilà, et le héros de ce roman, donc, d'Albert Cohen, le Belle du Seigneur, s'appelle Solal. Voilà, j'ai lu ce livre il y a très très longtemps quand j'étais jeune et je me suis toujours dit, si un jour je rencontre une femme qui veut bien avoir un enfant avec moi, déjà, GG quoi, bravo. Si un jour je rencontre une femme qui veut bien avoir un enfant avec moi et si elle veut bien qu'on appelle notre fils Solal, eh ben, je serais super heureux. Voilà. Et donc on a notre deuxième petit garçon s'appelle Solal puisque ça lui plaisait bien aussi. Voilà. Tonton Léon, merci pour le 16e mois. Le casque, une trabiscotte, c'est un... Il faut que je vous fasse des trucs dans le chat qui vous disent là. C'est un Sennheiser. Sennheiser. Un HMD-27. C'est Étoile qui me l'avait conseillé. C'est un pur casque. Voilà. Merci Tortisama. Oh, c'est trop mignon. Merci Tortisama. Le prix, t'inquiète. Mais faites péter vous. Vous savez quand même.
La Rolls des casques. Non, c'est un super casque, micro-casque, ouais. Hmm. 439 euros? Ah ouais, quand même. Enfin, je l'ai depuis, depuis que la chaîne existe, hein, depuis 3 ans et demi. Il est terrible, quoi. Et toi, elle m'avait dit, tu veux un bon micro-casque, il est topissime. C'est vrai qu'il a un pur son, quoi. Il est très léger et tout. Ouais, bien amorti, 3 ans et demi, ouais. Voilà. Bon, et si on lançait une petite game? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il n'y a pas que le micro, hein, la table de mixage, là, je l'ai changé récemment, elle est pas mal aussi. Donc c'est, voilà. Le son, c'est très important, le son. Comme je suis très bavard. Pour bien gueuler sur Valo, exactement, Emder. Ouais. Moi aussi, je t'aime, Thierry. Hein? 30 minutes d'intro, hein? On y va? Tiens, il y a Johan Desbois qui avait ce casque-là, il l'a gardé 10 ans. Tu es classé quoi? Ferrin, baby, les meilleurs, les meilleurs. Tu te lèves à quelle heure demain? Alors par contre, on joue pas longtemps. Hein. Il est 22h30, on joue pas tard ce soir. Là, hier, on a fait 5h30, 5h40 de stream. Non. Hein. Et il y a Louis qui dit, tu lances quand, bébou? On y va. Let's go, c'est parti. C'est pour vous. Non, pas tard ce soir, pas tard, pas tard. Attends, je vais me passer les mains sous l'eau. Dans un instant, on lance juste Valo. Ouais, c'était bien hier, Chrisware. Comme quoi, on peut regarder un mec qui joue très mal à un jeu, mais comme il kiffe ce jeu, en fait, ça va, quoi. Hier, c'était moi, donc le mec qui joue pas bien. Mais c'était aussi un mec qui joue encore, enfin, moins bien que d'autres soirs, quoi. Et ben, en fait, c'était sympa quand même. Et j'ai passé un bon moment, j'ai appris des choses. Quand tu perds et t'apprends aussi. Et c'est vrai que le stream était cool, on a passé un bon moment ensemble, quoi. J'aime ce son. J'aime. J'aime ce son. Peut-être vous mettre Valo. Voilà. T'arrives. Hey! L'œil du tigre, mec! L'œil du tigre! Il y a Sacha qui dit, salut Sam, le fait que tu aimes ce que tu fais, ça fait toute la différence. En fait, je ne fais que des choses que j'aime. C'est un truc que je me suis imposé il y a très longtemps. Voilà. Alors ça se fait pas tout seul, hein. Parfois faut prendre son destin en main, mais ça fait très longtemps que je ne fais. Tu nous as fait quelle imitation? J'ai fait une imitation dans un très vieux film avec, comment il s'appelait cet acteur black génial, humoriste là. Attends. Comment il s'appelait? L'humoriste black là, Eddie Murphy. Et voilà. Et dans un vieux film, il disait l'œil du tigre, l'œil du tigre, l'œil du tigre, mec. Voilà. Bon, à mon époque, personne n'était né ici. J'avais ça en tête, quoi. Voilà. Voilà. On fait que ce qu'on aime. Du coup, j'ai arrêté les douches il y a 10 ans, me dit Minos. Voilà. Quelqu'un se rappelle de l'œil du tigre, mec? Eddie Murphy? Non, pas dans l'homme fatal. Non, toi, tu confonds avec non. Là, il y a Sarno qui dit, bah ouais, t'imites trop bien. Moi, je connais Dimajux qui a 94 ans à peu près, je pense. Ouais. Ouais. Comment tes collègues de travail voient ce que tu fais sur Twitch? Je sais pas trop. Oui, je crois que ça les amuse un petit peu. En fait, ils trouvent ça cool en vrai. C'est quoi, Majux, ton commentaire là? Majux, c'est quoi ce commentaire que t'as écrit là? Quand c'est de l'humour, il faut bien que ce soit clair parce qu'il est bizarre ton message. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Majux, tu comprends que on peut mal comprendre ton commentaire là ou pas? Attends, je pense que tu fais une ref à un film ou quoi? Attends, peut-être que. Majux, tu peux expliciter là? Attends, hey, calmez-vous, parfois c'est juste le gars n'a pas voulu dire ça. Calmez-vous, moi je tends toujours la main. C'est quoi, c'est une ref à un film ou quoi? Comme le dit Étienne, c'est peut-être une joke qu'on comprend pas. En un clic, je suis allé voir l'historique du garçon, ça semblait pas problématique. C'est le titre du film où il dit cette phrase. Non, c'est pas vrai, Majux. Non, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas de film qui s'appelle comme ça. Non. Non, pas du tout. Pour le coup, je connais la filmographie
Il n'y a pas ce film. Non, il n'y a pas ce film. Ça n'existe pas, Majux. 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 En fait, c'est ton explication? Ok. Alors, attends. Attends. Non, parce qu'en fait, moi, j'aime bien rire de tout, mais il y a des choses qui me font pas rire du tout, certains sujets, vous le savez. Voilà. Donc, ok. Bon, alors, Google. Ok. Ok. Donc, moi, je vérifie. Donc, tu me parles d'un titre de film. Let's go. Et si c'est pas bon, bah, c'est un petit ban, quoi. Peut-être que je me trompe. Mais tu comprends que je peux. Peut-être que je me trompe, hein. Attends, je crois qu'il a raison. Bah attends, attends, vous voyez comme quoi faut pas se précipiter. Et vous voyez, les gens qui demandaient ban. Attendez, j'ai trouvé une ref. Attendez. Non, ah non. C'est quoi ça? Non, non, c'est pas ça, non. Attends, je vérifie, je vérifie. Il y a peut-être un truc. J'ai pas la, je trouve pas la ref, hein. Je trouve pas la ref, hein. Ah, même j'ai. C'est Murphy. Murphy. Ouais, il y avait une pub avec un singe qui s'appelait Murphy. Ok. Bon. Ok. Ok, bon. Mais est-ce que tu comprends que du coup, ta phrase pouvait sembler super chelou? Ok. Bon. On essaie de s'exprimer de toute façon. Hein? Ouais. On a trouvé une ref. Ça passe sur le fil, comme dit Blackbird. Vous comprenez que on est là pour détendre et dire des conneries, mais que par contre, il y a des valeurs, des principes, des choses importantes sur lesquelles on transige pas, quoi. Ok? Il y a une ref. Il y a une ref pour le coup. Il y a eu VAR, exactement. Allez, on y retourne. Let's go. Mais voilà, on peut dire des dingueries, mais juste, voilà, il y a des principes qu'il faut respecter, quoi. Pas de propos discriminatoires, pas de propos racistes, évidemment, pas de propos homophobes, pas de propos sexistes. Voilà. Ça, c'est la base de la base. C'est même pas une exigence. C'est juste le minimum, de minimum, de minimum, de minimum, quoi. Ok? Allez, go! Alors, le son, ça va? Le son du jeu? On va se faire un petit échauffement, bien sûr. Oh. Je regarde qui est en live. Allez, on va faire un petit entraînement. On va faire un petit entraînement. On va faire un petit combat à mort. Voilà. Passer les mains sous l'eau. Et demain matin, revue de presse, Joe la friteuse. Demain matin, revue de presse vers 9h. J'arrive. Ah, le gamer a une salle de bain toujours très proche. J'achète. Ouais. Allez, let's go. Baissez la lumière. Matinée Étienne, vers 9h demain matin. Je vous attends pour les journaux. Attention. J'ai pris un peu froid. Mais bon, c'est pas grand-chose. On baisse un peu la lumière. Ouais. Ça, j'ai moins de lumière dans les yeux. Une salle de bain toujours très propre, du gommier. C'est vrai. T'es déjà venu ou pas? Je suis un peu maniaque. Allez. Alors, pour ceux qui connaissent pas cette chaîne, ce stream et le niveau du streamer, je suis très mauvais. Donc, donnez-moi tous les conseils que vous voulez, mais ne vous énervez pas et vous moquez pas. On est ici pour être gentil, voilà, pour être dans l'amour de l'autre. Et je peux avoir du mal, je veux bien que vous m'aidiez, mais juste soyez chill. N'oubliez pas que j'ai l'autorisation de sortie de l'EHPAD pour quelques heures chaque soir, mais que voilà, les réflexes, c'est plus ça. Les genoux font mal, ça grince de partout. Soyez gentil. Combat à mort. Échauffement. Voilà, c'était pour vous montrer.
Bon, je pense que c'était AFK ça. On m'a dit ça, ma... Vas-y, fais du bruit en match à mort. On est là pour tirer, donc il faut que tu fasses du bruit. On sent. Tout le monde est AFK ou quoi? Et donc avant je marchais en combat à mort, je faisais pas de bruit, et on me dit Sam t'as rien compris, combat à mort, fais du bruit, tire sur tout ce qui bouge. Il faut que tu t'entraînes à tirer vite. Donc je fais ça, aujourd'hui je fais ça. Donc je pense que ça va être compliqué. Mais on m'a dit Sam, voilà. Et je trouve que c'est... J'ai pas trouvé ça con. On n'est pas là pour faire de la stratégie quoi. Ça va le son, c'est assez fort? Dites-moi si le son c'est assez fort, le son du jeu. C'est assez fort? C'est ok? C'est assez fort? C'est ok? Ok d'accord. Ça c'est l'échauffement, je m'en fous de mourir. Là maintenant ça commence, go. Bon sang à quoi je joue là? Mes genoux vont me faire un mal de chien après ça. J'en parlais de mes genoux. Battez-vous ensemble. Oh, je vais me mettre à l'abri. Foiré. Ouais, bah, de faire du bruit, ça est, c'est plus dur. Hein. Oh la vache, putain, je suis tombé sur des furieux. Le feu s'est éteint. Foiré. Oh la vache, ça va vite. Ça va vite, hein. Je vais me remettre à marcher, moi. C'est bien, ça fait, c'est comme ça que je vais apprendre. Hein. Comme ça que je vais apprendre. Hein. Déjà, viser un peu plus la tête déjà. Hein. Attends, je l'ai même pas tué lui. Oh là là là. Non, non, il faut que je progresse. Donc en fait, je fais du bruit maintenant. Je fais du bruit. Voilà, moi je tue que les gars AFK moi. Éliminé. Voilà, les têtes, Samuel, les têtes. Oh oh oh, il était devant. Ah, derrière moi. Mais où? Oh! Coquin. T'étais fichu. Oh non! Comment je peux rater ça? Parce que je tire mal? Bon, faut réapprendre la base, faut réapprendre les décals, la base. La base, Samuel, la base. La base. À gauche. Je t'ai vu, toi. Ah, c'est parti, il est mort.
Ah, dommage. Ah, trop, il s'est baissé, trop, j'aurais dû baisser un petit peu. Ah, c'était pas mal, je suis content du kill juste avant. Et hop, merde. Oh putain, c'est ça, je voudrais gagner des duels comme ça. À très, très loin, je voudrais les gagner des duels comme ça. Je voudrais gagner ces duels. Tant que je gagne pas ces duels, je serai pas bon au jeu en fait. Il y a un moment, il y a un déclic qui va se faire. Obligé ou pas. Bah, elle m'a tué 200 fois, je crois, la meuf déjà. Oh putain, c'est ça que j'aimerais faire. Des shots dans la tête là. Je t'ai eu. Ah, ça j'aimerais faire ça tout le temps ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bah comme elle là. Coquine. Plus que 5 éliminations. On va se refaire une petite après. Je sens que ça vient, je sens que ça vient. Ah merde, il y en avait un de l'autre côté. Il y en avait un de l'autre côté. Coquin. Oh là là, mais combien de fois elle m'a tué elle ce soir? Ça va venir, ça va venir. Il y a un jour, je serai imprenable en duel. Un jour. Pourquoi je le tue pas celui-là? Après, je vais vous lire. Après, je vais lire vos petits commentaires. T'as eu une balle. Vous avez vu? C'est beau ça. Hein, une balle. Plus qu'une élimination. On va en refaire une. Bon appétit, Slayers. Tu vas manger super tard. Alors, je vous lis un petit peu. Je vais aller sur le chat parce que j'ai envie de vous lire un petit peu. Ouais, alors mon viseur est trop bas. Ok, ça c'est vrai. Ça je le sais depuis le début. Tu tires trop vite. Fais 3 balles par 3 balles et attends 2 secondes pour tirer. Ça aussi, on me l'a dit 1000 fois et je le fais pas. Quoi. Samuel, les murs ne font pas partie des adversaires à tuer. Coltimandir, dire, tu n'as pas le droit de faire ce genre de blague. C'est trop méchant, quoi. Chaton brutal, le aim plus haut. Remonte un peu ton viseur. Vous êtes tous unanimes là-dessus. Je sais, je sais, je sais. Ouais. Ouais. Peut-être augmenter ta sensi, non, ça va la sensi là. Le problème, c'est plus la sensi là, c'est le tireur. Viseur trop bas. Bouteille d'eau 126, est-ce que j'aime ton pseudo? Ouais, je préférais bouteille de vin, mais ça va, ça va. Il y a Imoti, tiens, j'ai jamais essayé. Imoti qui dit le team Deathmatch, donc le Deathmatch, mais en équipe, est beaucoup plus pratique que Deathmatch pour s'améliorer. J'ai jamais essayé, tu sais quoi, on va en faire une. Ouais, t'as raison, je sais, Yukio, les repères sur les murs, les lignes, je sais. En fait, vous me donnez plein de conseils excellents, c'est juste que je ne les applique pas tous encore, quoi. Mais à force de les entendre, bah, en fait, ça rentre doucement, quoi. Changez d'arme, entraînez-vous avec la fantôme, me dit Cam. Hey, tu peux me tutoyer, hein. C'est pas parce que je pourrais tourner avec grand-père.
Regarde la minimap quand tu spawns. Ok, mais je sais pas ce que c'est spawn. Pourquoi Valorant me demande Baba? Bah parce qu'en fait, avant, je voulais devenir champion du monde de pétanque. J'étais super maladroit et en fait, j'ai tué quelqu'un. Voilà. J'ai voulu faire carreau sur une boule, j'étais super énervé. C'était un jour, j'avais mal dormi. Je n'étais pas dedans. Voilà, j'ai voulu dégager une boule. Ça a fait ricochet. Ça a rebondi sur la tête d'un gars. Il est mort. Voilà. Donc, c'est là où j'ai arrêté la pétanque. Spawn, c'est réapparaître. Ok, ah, je m'en doutais. Donc, j'ai arrêté la pétanque. Ouais. Oh putain. Oh. Il y a Derling qui dit bah, du coup, ça fait au moins un kill. Ouais. Bah, je crois que je kill plus de gens à la pétanque qu'à Valorant, en fait. Après, bon, c'est bon. Hein. J'ai payé ma dette à la société, quoi. Ok. Alors, je suis très rassuré parce que j'ai toujours pensé que cette personne était décédée ou voire avait été super blessée. En fait, pas du tout, parce qu'en fait, moi, je suis parti, quoi. J'ai pas demandé mon reste. Et il y a Matikin qui dit c'est moi que tu avais visé à la pétanque. J'ai une grosse bosse maintenant, donc en fait, ok. Matikin, tu es toujours là. Eh ben, Matikin, désolé, je suis désolé. J'ai arrêté la pétanque après. Il faut que tu imagines en permanence qu'il y a un adversaire devant toi pour le crosshair, mais Silo, t'as tellement raison, mais bien sûr. Bien sûr. Ouais. Allez, on y va. On fait maintenant, du coup, on va faire aux 11e place. Oh, putain, avant-dernière place. 10 kills. Sachant que je suis monté jusqu'à au moins 20 kills hein, en deathmatch, mais en jouant en silencieux, quoi. Pas en courant en tous les sens, quoi. Est-ce que avant le deathmatch par équipe, on se refait un deathmatch en solo? T'en pensais quoi? Hier j'étais chaud. T'as pas vu tout le stream, Cookie Couf, hein? Parce que j'ai été chaud 5 minutes, puis après j'ai été très froid. Hein. Non, mais je vais pas acheter de nouvel agent, moi je joue Raze. Est-ce qu'on fait un deathmatch solo? Par équipe directement? Par équipe? Allez, oui, c'est parti. Retour, j'ai jamais fait encore. Je sais même pas comment ça marche. C'est parti. Putain, il y a des gens qui me vouvoient dans le chat. Dans la vache. Oh, j'avais pas vu le raid. Merci beaucoup, Tetsuro Music. Merci, c'est trop gentil. Vous étiez. C'est une chaîne de musique. Vous avez joué quoi? Vous jouez quoi comme type de musique? Merci, Jocelyn. Drift. Merci Jocelyn, cinquantaine. Merci Myop. Merci. I miss my monkey. Ouais, je suis prête. Merci Manolitos avec plein de Z. Merci Tonton Léon. Merci beaucoup pour les soutiens. Et merci encore pour le raid. Tête sur Musique, ça me dit quelque chose. Je connais la chaîne, non? C'est parti pour la win. Oh, il y a Kilun qui dit c'est parti pour la win. Oh, bijoux. Ok Alexandra live demain matin vers 9h20 sur sa chaîne. Ah. Inerio, pour les duels très éloignés, Sam, tu peux te permettre de viser et tirer au coup par coup en te concentrant sur la tête. Et sur... Ouais, c'est intéressant. Et si c'est plus proche, essaie de maîtriser la rafale de ton arme. D3 Become Human, on va le reprendre dans pas longtemps, Echo. Hein. C'est pas mal. Clamakin, Samuel, en attendant que la game se lance, que tu veux nous parler de ta morning routine, pas de problème. La morning routine, normalement je fais payer pour ça. Hein. Bon, là c'est parce que vous êtes entre amis. La morning routine de Sam, c'est simple. Je me lève, je prends un café, ça y est, voilà, c'est ma morning routine. Normalement, c'est un truc que j'explique en conférence devant des milliers de personnes. Je fais payer ça très très cher. Voilà, parce que c'est le résultat d'années d'introspection, de réflexion sur moi, d'immersion dans différentes philosophies occidentales et orientales. Ouais, Schopenhauer, yoga, un peu, vous voyez, un petit peu, Michael Jackson aussi, un petit peu, voilà, tu secoues. Et voilà, et j'en suis arrivé à cette philosophie-là. Je me lève, je prends un café, voilà, morning routine. Voilà. Ça, c'est gratuit. Normalement, en conférence, je vends ça, je vends ça très cher. Très cher. Ouais.
Alors, il y a Ronny Fleur de Paix qui dit Samuel, les 4 kills à la grenade qu'on voit en vidéo sur TikTok, sur le moment, est-ce que tu avais compris ce que tu avais fait ou pas du tout? Ça, je ne l'ai jamais dit, parce qu'effectivement, sur TikTok, traîne une vidéo d'il y a quelques jours où je kill 4 personnes dans un couloir avec une grenade. Maintenant, je peux vous le dire, je n'avais absolument pas compris ce que j'avais fait, quoi. Voilà, en fait, c'est après, quand j'ai vu la vidéo sur TikTok, que j'ai compris. Alors, j'ai compris que, ouais, vaguement, il y avait eu des morts, quoi. Mais après, sur TikTok, j'avais compris la vidéo. Et là, j'ai fait, waouh, ouais, c'est un peu long, ouais. Ah bah c'est Francfort aussi. Hein. Ah ben, ah c'est bizarre. Au début, on peut pas avoir que. Oh là, mais c'est. Ils sont bizarres, ils sont tout bleus. C'est quoi ce mode? C'est quoi ce mode? Bah c'est un mode où je meurs, hein, comme d'hab. Hein. Ah, AFK. Dommage. Bon, je vise la tête, vous avez vu, je vise la tête, hein. Ah, mais j'ai juste un gun, c'est tout. J'ai quand même mes armes. Marrant ce jeu. Il est marrant ce jeu. Ouais, j'ai trop là. Ah, et on change de gun. Mais il est super ce mode, il est génial ce mode. Je recharge. Merde. Il est super ce mode, j'adore. Je recharge. Pathétique. Aveuglement. Putain, ouais. Je suis pas habitué avec cette arme là, c'est laquelle là? C'est la fantôme, c'est ça? C'est bien parce qu'on s'entraîne avec des armes que... Tu vas rester là, oui? Je comprends rien à cette phase, mais j'adore. J'adore. Les armes, j'ai pas compris par contre. Hein. Ah, là y'a rien. C'est mieux, hein. Salut Julo, bonne nuit. Ouais, c'est mieux, non? Vous trouvez pas? Le crosshair là. Je vous écoute, hein. Vous avez vu, je vous écoute, hein. C'est mieux, hein. Ça, ouais. Non, je prends pas ça moi. L'opérateur là. Je vais pas tirer à l'opérateur.
J'adore cette... Je connaissais pas du tout ce mode de jeu là. C'est génial en vrai. Dans le bus. Haha. Ouais, je suis tout seul ou quoi? On est mort? C'est quoi les orbes d'ultime? Oh! La recharge! Oh oh oh! C'est quoi les orbes d'ultime? C'est ça les orbes d'ultime? Ah bah je reste là, je tue tout le monde en fait. J'adore. Ah, zut. Dans la tête. Ah oui, c'est les orbes, d'accord, ok. Toi, je connais ça. Pathétique. Ah, j'ai. Mon ultime n'est pas prêt. Okay. Allez, let's go. Hors de mon chemin. Oh, zut, je voulais garder la Odin, moi, pour rigoler un peu. Facile ça là. Je recharge. Faible. Tué. Très satisfaisant. Ah, je devrais faire des petites décales là. Ah! On a pris du fusil de sniper en face là. Non mais là je j'utilise pas mes sorts là. Moi je veux utiliser améliorer mon, mon aim. Donc j'utilise pas j'utilise pas mes sorts volontairement quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oh oh! Bon, on va prendre le sniper. Hein. Comment ça marche ça? Oh là là, c'est chaud ça. Oh là là, c'est pas pour moi ça. C'est marrant, ouais. T'en pensais quoi de ce mode? C'est rigolo. Le mode est très bien pour t'entraîner car il est très fun, ouais. Ouais, ça va en vrai. 16 kills. C'est pas mal. Ok. Allez, c'est parti, on fait une ranked. On est fou. On est jeune, on aime le fun. C'est une vieille pub pour un déodorant. Vous pouvez pas avoir connu, c'est très vieux. Compétition. Fun. Je crois que le déodorant s'appelait Fun. Fun, c'est un déodorant. Faut que je vous trouve ça. Le déodorant s'appelait Fun. Ah, attends, il y a SDF qui s'en souvient. Fun, un déodorant Fun, parfum trouble. Je t'aime tant, c'est fou, c'est fun. Écoutez.
Bah alors, marche pas ? Travail Dailymotion, le vieux truc, quoi. Pfff, de la merde, ça. Je crois que c'est ça, que le vieux. Quand on est jeune, on aime le fun. Un bruit s'en fout, à tous les coups. C'est un nouveau parfum, fun, c'est déodorant. C'est un parfum troublant, my baby, je t'aime tant. C'est fou, c'est fun. On aime le fun. En fait, fun, c'était le déodorant des filles qui aimaient le fun, quoi. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, mais à l'époque, c'était. Moi, j'étais fou. Je me dis, putain, le jour où je m'achète ce déodorant, la fun, là, mais ma vie va être transformée, quoi. Ça va être une vie de fun, quoi, littéralement, quoi. On voyait, dans la pub, on voyait bien que les meufs qui mettaient le déodorant fun, elles étaient fun, quoi. Elles étaient fun, clairement. Et moi, je me dis, toi, ça avait l'air un peu cheap. C'était des couleurs super vives et tout. Je me dis, putain. Je vais en acheter un, quoi. Je vais avoir une vie de fun, quoi. Il y a Krikos qui dit lance, arrête avec tes histoires, on n'en peut plus. Partie trouvée. Flows, The Crack, Warscut, merci à tous les deux pour votre soutien. C'est pour ça que tu sens aussi bon, c'est vrai. Un peu de concentration, me dit Elios. Oh, ouais, ouais. Ouais, je suis prêt. J'ai pas un Staloc. Merci. Oh, merci Kakosque. Kakosve. Merci Tomate du Futur. J'ai toujours demandé à quoi ça ressemblait une tomate du futur. C'est comment une tomate du futur ? Ça se trouve, une tomate du futur, c'est jaune et c'est comme ça et ça ressemble à une banane. Non, j'ai pas un Staloc, Thomas. Hello, guys. Shut the fuck up, man. Quoi? You fuck my wife? What? You fucked my wife? Attention, hein. Pas bien compris ce qu'il a dit, mais j'ai entendu fuck. Attention, hein. Rêve cinématographique, hein, pour ceux qui. Il a dit shut the fuck up. Il m'a dit ça à moi. À moi. C'est qui? C'est Omen? C'est Rena? C'est qui? Je crois qu'on change de. On change de toute façon. Ouais. Ouais, je crois qu'il a senti. Partie trouvée. Je crois qu'il a senti qu'il fallait qu'il quitte cette partie. Hein? Je pense que. Ouais, je pense qu'il a senti dans ma voix là que. Pas d'instaloc ici. Si jamais on te prend raise, tu piques qui en second, Wolf? Je prends raise en second. Si jamais on me pique raise, je prends raise. Ouais. Salut Annie. C'est fou, le gars il m'a dit shut the fuck up. Sérieux, quoi? Ouais, heureusement qu'il s'est pas retrouvé en game avec moi, je peux te dire que. Tu vas voir. J'adore ce personnage, Raze, je sais pas pourquoi je la trouve formidable. Pourquoi j'adore Raze? J'adore sa grenade. Il parlait pas à toi, t'avais déjà deux mecs que t'avais mute. Ah, il parlait pas à moi? Ok, cool. Il est quoi? Il est devenu quoi, le petit Mathéo qui t'avait piqué ta raise? Amorak, je réponds. Voilà à nouveau face à la grande faucheuse. Je réponds pas à cette question. Vaincrons. Allez, concentration. Allez, on part en C. Ça va, Annie? Tout seul en C là, comme un guerrier là.
comme un foufou là. Si, si. Pas possible. Cherche, cherche. Je le repérerai aussi. Envole-toi. Aveuglé. J'ai pris trop de balles, j'ai pris trop de balles. Bien, bien. Au moins j'ai alerté mes mates que tout le monde était en C, quoi. Hein. Cool en vrai. Le spike est ici. Et le spike est à terre. Hein ? Plus que 30 secondes. Déjà, ça va ça. Ouais, d'accord. Dernier ouais. Joueur en vue. Le curseur était pas très bon, ouais. Ah, il a posé quand même. Oh 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 oh. Spike à terre au C. Plus que 10 secondes. Dommage, dommage, dommage. Nice try. Équipez-vous. On se remet au boulot. Alors là, on va pas faire les foufous. Hein. C'est vraiment, on change, allez, on va. Oh, merci Astréos, ça va. Force Astréos. J'espère que c'est pas des trop gros soucis. Ça arrive, les hauts, les bas. Hey, hey. Ok, super. Et là, dans le chat, on va dire Sam, trop statique, Sam. Trop statique. J'ai encore servi d'appât, quoi. Deux manches, zéro kill. Trop statique, bah oui. Trop statique. Trop statique, trop... je sais. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Dommage, dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous voyez une de mes bêtes, ne paniquez pas. Vous finirez par comprendre ce qu'elles font. Ils sont pas là. Ils sont mid. Je vais aller avec lui là. Spike posé. Alors il est où en B? Non, il est en A alors. Ok, c'est là. Oh, putain. Dernier joueur en vie. Aucun ennemi. Dommage, dommage, ça joue pas à grand chose, hein. Ça joue à pas grand chose, hein.
Je suis la reine du feu d'artifice. La puissance de feu, je gère. Ça joue à pas grand chose. Ouais, je sais, attention, en message, en chuchotement, vous allez avoir des... On va redresser la barre, je le sens. Vous pouvez avoir faut pas cliquer sur des liens pourris, hein. Est prêt. Quelqu'un me demande si j'ai arrêté question pour un champion. C'est tous les jours à 18h10 question pour un champion, tous les jours de l'année, du lundi au samedi, tous les jours 18h10. Prêt à téléporter. Et régalez-vous, c'est une émission, t'apprends un milliard de trucs, il y a une bonne ambiance. Envole-toi. Aveuglé. Yes, yes. Et deux, trois. Dernier joueur en vie. Venez jouer aussi, hein. Oh, c'est beau ça. Nice. Nice. Venez jouer aussi, hein, si vous êtes pas trop mauvais en culture générale, vous êtes un peu rapide. Venez jouer, hein. Les candidats sont de plus en plus... Vous savez que c'est de plus en plus de viewers, de plus en plus de streamers, de créateurs de contenu, qui jouent à Question pour un champion, c'est ouf. Étoile, bah, quand il voudra, hein, il en parle depuis un moment. Déjà. Un jour, étoile viendra. Enlevez le point faible et brisez-les. J'ai besoin d'aide. Quelle précision. Pardon, monsieur. La chasse commence. Oh la saloperie, putain. Vous ne tuerez pas mes alliés. Je crois que j'ai pas fait un seul kill. Putain, la honte. D'inquiétude, ami Radiant. Il y a quelqu'un qui vient dire, je voulais attendre que tu aies fait un kill avant de me coucher, mais je me lève tôt demain matin. Ça c'est super méchant. J'économise. Ça c'est méchant, ça. C'est, c'est vrai, mais c'est méchant en vrai. Ouais, normalement c'est Bandef, ouais. Ouais. Merci Nain Puissant. Nain plus loin puissant. Bravo, hein. En vrai. Putain, ils sont passés par la porte, tu débile. Ça y est, j'ai compris. Je vais pas faire un kill de cette partie. Merci Acheron. Bon, je suis pas le seul de l'équipe dans la douleur, mais je suis vraiment un boulet, quoi. Je
suis le boulet de mon équipe. Ignorez mon sourire. Je prends tout ça très au sérieux. Alors, attends. Bon, ils font toujours la même chose. Ils vont toujours... Calme-toi, Samuel. Pas grave, mon bambouiniste. Très joli, ça. Ils font toujours la même chose. Ils viennent là par la porte. Bah, reste là, papy. Reste là, en vrai. Là ou là ? Là, là. Je veille sur vous. Là, 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 là. Voilà. Voilà, on va mettre la grenade là, plutôt, hein. Hein ? Cible B. Cible repérée au C. Oh là là, je suis pas au bon endroit. Je voulais shooter l'autre pour qu'elle puisse défuse. Je recharge. Merci. Et bon, on va le faire ce point. Allez, allez. Go, go, c'est bon, le point, on fait le point. Nice. Quelqu'un a des attelles ? Des attelles. Je me suis emmêlé les pinceaux. Les doigts. Je vais retourner là où j'étais, là. J'aimais bien, là. Allez, il y a Koufikouf qui dit Sam, allez, un kill et je vais me coucher. D'habitude, je fais des centaines de kills. Demandez aux gens qui sont là tous les soirs. Des centaines de kills. Le méga killer, on m'appelle. Parfois, il y a 5 adversaires, j'en tue 7. Inspirez un bon coup. Parfois. Plusieurs cibles au C. J'ai besoin d'aide. Parfois, j'en tue 7. J'ai besoin d'aide. Ennemis au départ des attaquants. Plusieurs ennemis au départ des attaquants. Ah, c'est là qu'il me faudrait le truc pour sauter là. Spike, posé. Eh oui. Ici. Un ennemi au départ des attaquants. Ennemi repéré au B. Grenade. Dernier joueur en vie. Explosé. Mon ultime est prêt. La fête commence. Putain. Mon ult. Un kill. Ça y est, tout le monde peut aller se coucher. Une balle par ennemi. Attends, voilà, vous pouvez. Ceux qui attendaient le premier kill, ben c'est fait. Vous pouvez aller vous coucher. C'est fait. Non, mais d'habitude, c'est des milliers de kills. Parfois, ils sont tous morts déjà en face et j'arrive à en tuer d'autres. Mais oui. Dites-leur, les gens qui sont là d'habitude. Merci, Shlom. Dites-leur que parfois, il y a même des kills qui n'existent pas que j'arrive à faire. Oh, il y a plein de gens qui vont se coucher. Oh, vous êtes dur. Ils ont trouvé mon piège. Envole-toi. Aveuglé. Grenade. Dommage. Vous ne tuerez pas mes alliés. Pas d'échappatoire.
Le petit kill dans le brouillard, il était bien là. Allez, allez, l'artillerie là. Allez. Mais oui. Allez, on. Mais oui. La remontada là. Le 6-3. Je recharge. Salut Alain. Le choix de l'arme est si personnel. Dis-moi quelle arme tu prends, je te dirai qui tu es. Il y a DNJ qui dit, est-ce que vous regardez parfois des... Arrête de me vous... Les gens me vous voient ce soir. Est-ce que vous regardez parfois des matchs de joueurs pro? Faut pas me vous voyez. Alors je me regarde jouer déjà. Donc je sais pas si ça compte, c'est un peu comme... C'est l'heure des explosions. Ça revient au même, non? Un ennemi au C. Vous êtes impuissant. Moi aussi, j'aurais un skin comme ça, je peux dire que... Bon, je ferais pareil. Il y a Asmod qui dit, Sam, on ne voit pas utiliser les satchels, mais je pense que ça doit être un bug. Ouais, c'est un bug, en fait. C'est un bug. Il tirait derrière depuis le début. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Nice. Mais tu n'as pas ta place dans mes plans. Allez. Je vais faire comme l'équipe, je vais faire la remontada à partir de maintenant. Ah bah je peux pas acheter de satchel, pas de chance. Très dommage, j'adore la satchel. Ils vont finir par revenir en A, je vous le dis moi. Quelqu'un qui me demande, mais Sam, tu mets pas d'argent sur Valorant? Alors c'est moi qui donne la valeur à Valorant. Alors on va pas inverser. Hein. Envole-toi. La chasse commence. Ici. Et deux, un. Spike posé. Grenade. De temps en temps, j'ai des petits éclairs de comme ça là. Plus qu'un ennemi ici. Je pense aux gens qui sont partis se coucher là, alors que j'étais juste à l'échauffement quoi. Regarde, tu regardes pas à droite. Ok. Moi, je regarde à droite. Vas-y. Thank you. Nice. Pas besoin de ça. La remontada. Quand vous pensez qu'il y a des gens qui sont partis se coucher perdus quand on allait perdre et que maintenant je fais des triple kills. Changement dans une manche. On n'emportera rien après ça. Dépensez tout. Quelqu'un a besoin d'un prêt? Arme à feu ici. Je vais lancer, on va changer un petit peu. Je vous l'offre. C'est quoi ça? C'est pas pour moi ça. J'ai pas le droit de la prendre. Rendez service à une amie. Grenade!
Envole-toi. Aveuglé. On chasse. Maybe she... À terre au C. Ouais, je pars. Qu'un ennemi, plus que 30 secondes. Hors de mon chemin. Ennemi repéré au C. J'ai peur, j'ai peur. Parfait. Oh, j'ai peur. Hey. Changement de côté. On est passé de 0 kill à 8 kills. Il fallait pas aller se coucher, C'est juste l'échauffement. Allez, maintenant on change de côté. La remontada de fou, 6-6. Ils étaient en train de nous laver en fait. Pardon, j'avais pas vu les subs. Je viens à vous dans un instant. On va où là? Allez, c'est parti. Moi j'y crois à cette équipe là. Allez, go. Je vais au point C. Mes excuses. Mes excuses. Oubliez tous vos doutes. Un ennemi au A. Grenade. Attention par là. Pas de surprise. Tourneur général. Attention. Je recharge. Oh putain, mon robot qui me prend les mains. Un mort, j'ai le spike. Dernier joueur. Oui. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Croyez-moi, ils feront des erreurs. Bon là, du coup, on est super pauvres. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On change. Allez, merci. Go. Là. Ouais, les autres sont super vilains, SDF, je suis d'accord. Ici. MK, Lamout, merci pour les subs. FT Live, merci pour le raid. MK a de l'argent en trop, merci. Go. Merci. Je veille sur vous. Pas possible. Mais non, mais j'en ai mis 15 balles. Mais je lui ai mis 15 balles. Enfin. Plus qu'un ennemi. Écran de toxine désactivé. Désolé. Posez le spike. 145 de dégâts. À côté, bah non, pas à côté, 145. Spike posé. Attention. Quelle façon. Nice. Venez, je vais vous soigner. C'est vrai que c'est un jeu qui détend. Il y a Brice qui dit ah, c'est quand même un jeu qui détend. C'est vrai, j'adore ce jeu. Parce que ce jeu me détend, mais tellement. J'adore ce jeu. Oui. Je recharge. Merci Absalom. Merci Tetsuya. Merci Simonou pour le raid. Allez, go. Thank you. Attention par là. Pilibé. Je surveille ici. Quoi? Oh putain, elle était sur la caisse, elle était où je m'étais mis tout à l'heure. Ici. Putain. Elle était où je m'étais mis tout à l'heure. C'est interdit de se mettre là normalement. C'est interdit de se mettre sous cette caisse. Dans les règles de Valo, c'est interdit de se mettre sous cette caisse.
Je vais la signaler en vrai. Une carte bleue ? Pourquoi tu sors une carte bleue ? Ouais, c'est couillu, hein. Plus que 30 secondes. Le coup de la carte bleue, c'est couillu. Hein. Oh, c'est les tickets resto. Maintenant, c'est sous forme numérique, beaucoup. On va aller à gauche, c'est sûr. Plus que 10 secondes. Et à droite. Dommage. Nice try. Il y a 8-7, on va gagner cette partie, mais il faut que je refasse des kills. On repart à zéro. Pas besoin de s'attarder sur le passé. Non, bah non, je peux pas. Je suis pauvre. Ça va, vous passez une bonne soirée sinon? Et la vie, ça va? Bonjour les amis. Ouais, je sais, j'ai un tout petit pistolet, ouais. Je leur prendrai tout ce qu'ils ont. Ouais, je sais qu'il y a une carte bleue K-Corp. J'avais lu un article là-dessus. Mais elle est sortie ou pas? Tu me bloques en fait là. Attention. Là. Attention par là. Envole-toi. Je recommence au début. Elle est sortie la carte? Elle est sortie la carte bleue ou c'est encore un projet? Oh merde, 9-7. Quelqu'un a déjà la carte K-Corp? En vrai, moi je la prendrais la carte K-Corp. Allez, on gagne cette partie. 9-7, c'est jouable. Attention par là. Ulpatur? Je recharge. Qu'est-ce que c'est que ce jargon encore? Ulpatur? Envole-toi. Aveuglé. Envole-toi. La chasse commence. Ici. Ok, je sers à rien. Spike à terre, OB. Dernier joueur en vie. Elle est norvégienne et c'est son jargon, Deadlock. Elle est norvégienne, c'est du norvégien ça? Ah ouais. Il y a Imonfa qui dit grâce à toi j'ai commencé à jouer Raze et je suis devenu fan. Mais Raze, la meilleure quoi. Enfin là ça se voit pas mais ouais, elle est là. Ah, ça c'est beau ça. Mais oui, bien sûr, mais oui, tu l'as fini là. Plus que 30 secondes. Oh, bien joué. Ah, dommage avec cette arme-là, ouais. C'était chaud, ouais. Ces étrangers dommage. Semblent vouloir. Donc ça fait combien, là? Eh bien, ce ne sont pas les premiers. 17, ouais. Petit parfum de... Vous sentez ce petit parfum, là? Le parfum de la victoire. Je suis redescendu boulet de l'équipe, là. Le parfum de la victoire. Attention, il y a Warsaf qui nous donne une info essentielle dans ce chat. Warsaf qui vient nous dire à l'instant, j'adore les saucisses.
réacteur déclenché. Envole-toi. Piège détruit. Attention. Dispersion. Trouvé. Déplacement bloqué. Cible repérée. Ah. Ici. Conduisez-les à la tombe. C'est un rire sardonique, un petit peu, que j'essaie de faire, mais c'est assez difficile à faire. On dirait un mec qui est malade en fait. Je peux arrêter. Non, ça dirait une chèvre. Ok, non, j'arrête. Ouais, non, on dirait un mouton. Merde, je voulais faire un rire qui faisait peur. Chier. Sardonique. Oui, sardonique. C'est un peu littéraire, mais. Un rire sardonique. Il faut que je fasse sauter quelque chose. C'est un rire sardonique. Attention par là. Vous connaissez quand même, non? Envole-toi. Il y a quelqu'un qui dit, on dirait surtout un pervers, mais bon. Attention. Envole-toi. Ils ont trouvé mon piège. Attention par là. Spike est mort. Adieu. Ici. Plus qu'un ennemi. Ici. J'ai le spike. Grenade. Oh non, putain. Spike à terre au A. Putain, ma grenade l'a pas tué. Mon âme. Nice. Ma grenade l'a pas tué, là. Arme à feu ici. Hein? Comment ça se fait que ma grenade l'a pas tué? Mes machins vont les faire fuir. Bizarre, non? Ce sera plus facile pour les dégâts. Oh la vandale, on fait le plein là. Moins 128? Ah donc, il y a eu des dégâts quand même. Ok. J'ai besoin d'une arme. Elle a avancé, ouais, mais elle a avancé, elle a eu. Elle avait mal au genou quand même. Hein. Elle a fui. Exactement. Rire sardonique. Je veux vous voir ramper. Mais ouais, on change. Vous êtes impuissant. Ouais, enfin vite dit, hein. Ça va. Ouais. Ennemi repéré au B. Ennemi au départ des attaquants. Pas possible. Un de moins. Tournée générale. Oh putain, ça tirait de partout là. 14 juillet quoi. Les gars, on est le 6 février. J'ai l'impression que ça y avait une bleue, une rouge, une verte, une jaune. Envole-toi. Putain, le pire c'est qu'on va gagner cette partie quoi. Venez, je vais vous soigner. Merci, il y a plus qu'à. D'abord joli pseudo et ton commentaire me fait super plaisir. Comment on va gagner? Mais non, mais pourquoi tu recharges? Suivant. Merci Doubéa, merci Marjora. Vous valez plus que des mots sur un ordre de mission. C'est beau ce que tu viens de dire. Vous valez plus que des mots sur un arbre. Un arbre. Un ordre de mission. Klamakin me signale un changement pour la team Modo. Sortie de Klamakin ce soir et entrée. Pardon, et entrée de MMG CTF. Klamakin, bonne soirée, MMG, bienvenue. Je surveille ici. Attention par là. Envole-toi. Pas possible. Attention par là. Envole-toi. Je
aucune charge. De la peste, vous ne tuerez pas mes alliés. Plus qu'un ennemi. Putain. Mon X l'a pas tué là ? Je l'aurais dû le mettre au sol. Je pense que mon X était trop haut. Ils veulent danser ? Ok, d'accord. Hein, mon X devait être trop haut, je pense. Je suis pas mort. Non, je pense que mon X était trop haut et j'aurais dû le mettre au sol. Ici. Ça part où là ? Ça part toujours là. Bien sûr que c'est jouable. Ouais. Attention par là. 9 kills, c'est pas... J'ai tout ce qu'il faut. Hein. Envole-toi. J'ai rien à acheter là. Envole-toi. Quoi ? Mais d'où ? Ils nous ont contournés ? Ah, c'est vraiment des méchantes personnes. Écran de toxines désactivé. Oh là là, ils sont vraiment pas gentils les gens en face. Hein. Les toxines s'élèvent. Pas possible ce jeu. Hein. Écran de toxines désactivé. Allez, ça va poser le spike. On va avancer, c'est parti. Vamos a la playa. Elle est par là, la playa. Ouais, mais par contre, faut y aller vite. Hein. Parce qu'ils vont comprendre. Hein. Ouais. Attention par là. Ici. Spike posé. Restez hors de mon chemin. Nice. Quelqu'un d'autre nettoiera ça. Qu'il nous implore. Onze. Quelqu'un me dit, t'inquiète, dans 2 ans, tu seras l'animateur de télé le plus fort à Valorant. En fait, je suis déjà l'animateur de télé le plus fort à Valorant, parce qu'il n'y a que moi qui joue. Merci, Doubéa. Merci, Margera. Je suis déjà le plus fort de tous les animateurs, parce que personne ne joue à Valorant. Attention par là. Envole-toi. Attention. Grenade générale. Ça arrive par devant, ça arrive par derrière. Vous êtes impuissant. 14-18. Yes. Très dommage. Invite un autre animateur ou j'invite qui comme animateur ? Quel animateur vous voyez sur Valo, vous ? Merci l'ami. Attention. Michel Drucker sur Valo ? Ok. Vous voulez Michel Drucker sur Valo ? Ok. Et si on vous a tout explosé ? Vous êtes bizarre quand même, hein, par contre. Woke. Je l'ai vu ça. Il faut walk. Grenade ! Je recharge. Mon ulti est prêt. En je recharge. À deux. Attention par là. Traquez-les. Groupé. Envole-toi. Je recharge. Tournée générale. 3 sur 3. Ici, pas de surprise. Je ne crois pas. Conduisez-les. Venez, je vais vous soigner. Attention par là. Il y a un type en chasse. Attention. Désorienté. Je ne rate jamais.
qu'un ennemi. Plus que 30 secondes. Posez le spike. Spike posé. Yes. Et on save en plus. Bon, voilà. Il me reste que 78 grenades. J'espère que ça suffira. Il est parti où, Spike? Je l'ai pas vu. Attends. Ah, prolongation, on a changé de côté. Ok. J'ai pas pris mon arme? Ah, faut racheter l'arme. Putain. J'avais oublié qu'en prolongation, il fallait tout racheter. Ok, merci. Heureusement que vous êtes là. J'allais avec mon couteau à la guerre. Quoi. Littéralement, quoi. Bravo. On joue pas au héros, on suit le protocole. Le protocole, les gars. Oui. Plusieurs cibles aussi. Ok, ça joue aussi. Hey. Ici. Qu'un ennemi. Un ennemi, ça sent le poing, ça. Au couteau. Spike désamorcé. Je désengage. Nice. Changement de côté. Point grâce gagnant. Grâce à mon call, c'est gentil. Mais... Il pensait être à notre hauteur. Rise là. À nous maintenant. Envole-toi. Attention. Je surveille ici. Envole-toi. Attention par là. Ouais, ça venait à droite là. Putain. Je serais plus rapide, j'aurais lâché une grenade. Hein. Oh la Odin, le massacre à la Odin. Oh la il nous a tous lavé. Ah, c'est dommage. Allez, c'est reparti. 13-13. Changement de côté. Ah non. Ouf. Ah non, pas égalité. Non. Jamais se rendre. Commence à douter en face. Le champ de bataille change constamment.
Alors moi par contre, je vais pas faire ça. On va faire... C'est l'heure du carnaval. Et on y va. Et on est mort. Il y a eu une demi-seconde entre le et on y va et on est mort. Je ne peux pas. Edin, porte de mon chemin. Qu'un ennemi, dernier joueur en vie. Oh oui! Mince, allez! Incroyable, il est dans les temps, il est largement dans les temps. Incroyable. Nice. Oh, c'est beau. Propi, merci beaucoup pour le soutien. J'en ai besoin là parce que j'ai pas très bien joué là. Point gagnant. Ces parasites ne feront pas un pas de plus ici. On reprend l'avantage. Le Spike est ici. J'ai le Spike. Thank you. Attention. Envole-toi. Copain explosif sorti. En chasse. Spike à terre au C. J'ai le Spike. Ouais, ils changent, ils vont ouais, c'est très bien ça. Allez, go. C'est bon ça, ça l'a fait ça. Attention par là. Ouais, pas mal ça. Pas mal. Quand ils vont débouler là. Plus que 30 secondes. Ça se tente. À gauche. Attention par là. Dommage. Envole-toi. Aveuglé. Oh là 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 là. Traquez-les. Trouvez. Oh. Nice. Enfin, si. Faites au moins un effort la prochaine fois. Waouh. Putain, bientôt champion du monde, c'est incroyable. Bon, je suis le dernier de ma team, donc on sera peut-être 5 champions du monde en même temps, mais c'était beau en vrai. Bon, le score est pas terrible, mais bon. Mais c'était une jolie partie, quoi. Ouais. Qu'on se le dise, c'est grâce à ça, mais oui, bien sûr. Oh, presque faire deux, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah, il y a Matt. Oui, mon ami Matt. Salut Matt. Matt, tu peux pas parler ce soir? Salut Matt. Salut Matt. Hein? Tu m'entends pas? Tu m'entends là? Là, je t'entends. Tu m'entends? Tu m'entends? Je t'entends, tu m'entends pas? Attends.
Là, tu m'entends, là. Oui, c'est bon, je t'entends, c'est bon. C'est... Ça va bien? Bah oui, ça va, ça va. Mais tu vas encore te coucher tard. Tu veux faire, je vais faire qu'une partie, hein, pour pas... T'es sûr? T'es sûr? Ouais, ouais, parce que... Bon, faut pas se coucher trop tard non plus. Bon, mais en tout cas, très cool de te retrouver. T'as déjà joué, t'as joué ce soir ou pas? Non, pas du tout. Je fais juste une partie avec toi. Là, j'ai fait une partie qu'on a gagnée, pas grâce à moi, mais qu'on a gagnée. Ouais, j'ai vu. Non, franchement, c'était vraiment une belle partie. Tiens, en plus, grosse remontada. Ouais, c'était tout, super. Donc, parfait. Donc, Matt, pour ceux qui savent pas, il a 16 ans, on s'est croisés en partie. Non, on m'a volé mon Phoenix. Oh non. Tu maines quoi quand t'as pas Phoenix? Ah, je sais pas, je vais jouer le plus simple, c'est. Et donc, Matt, on s'est croisé en game il y a quelques jours. Il a 16 ans, il parle tout bas parce qu'il n'a pas, pas le droit de jouer le soir. Mais il est en mode furtif et ses parents ne l'entendent pas. Voilà. Et si jamais il se fait attraper un soir, on s'est mis d'accord, si jamais il se fait attraper un soir par ses parents, il dit qu'il joue à Valorant avec Cyril Ferro de France 3. Voilà, on s'est mis d'accord là-dessus. Voilà, il dit que c'est le mec de Slam qui le dévergonde, en fait. Voilà. Sur le PC de la région, sur le PC qu'il a eu à l'école. Voilà. C'est pour ça que parfois il a des petits lags. Ouais. Trop gentil, trop calme. Voilà. Il me carie pas mal, il m'aide beaucoup. Voilà. Et vous allez voir, super gentil pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on se met tous d'accord, hein. Je ne sais pas combien vous êtes ce soir. Si jamais Matt se fait attraper un soir, c'est Cyril Ferro. Hein. Il fallait dire Julien Lepers. Non, laissez le pauvre Julien. Je vais me laver les mains. Vous criez hein, si ça commence. N'approchez pas, je suis chaud bouillant. Vous avez crié? On est quoi? On est défense attaquant? Vous avez crié? Ok, super, merci. Matt, il est quoi? Hop. T'es là, Matt? Ouais, je suis là. Bon, ça va être compliqué, mais franchement, cette partie, je la sens bien. Mais j'ai remarqué que t'étais très optimiste, parce que tu dis toujours ça, Matt. Tu dis toujours... Hein, c'est pas vrai? À chaque fois, parce que hier, on a fait quand même 3 défaites d'affilée. Ouais, c'était chaud. À terre au B. Bien joué. Grenade! Il est où le Spike? Il est où le Spike? Ici. Ok. Cible repérée au milieu. Ici. Attention. Eh, vous m'aidez pas, hein? Jamais, hein? Faut pas exploser ça. Allez, mais il y a personne, j'ai pas un mate. Putain, je suis tout seul. Ils sont où les autres? C'est fou ça, tu es tout seul. Là. Voilà, 2 kills. Spike à terre. C'est fou quoi. C'est le Spike. Putain, si on se mettait au moins à 2. Si on se mettait à 2, on descend tout le monde quoi. Plus que 30 secondes. Moi ça m'a choqué hein. J'étais très choqué moi. Je t'ai tout seul à tirer, quoi, à gauche. Mais lâche ton couteau, mais prends un gun. Mais c'est quoi ces mates? Mais qu'est-ce qu'il fait avec son couteau? C'est l'heure de la pause. Super, ça commence bien là. Qu'est-ce qu'il fait avec son couteau? Voilà, ah, il a plus de balles. Ouais, c'est bien parti. J'ai un peu ragé là quand même, non? En vrai, non? Battez-vous! Putain, je les laisse là tout à l'heure. Ils m'ont laissé tout seul devant là. Allez, allez-y un peu là. Pourquoi la barrière là? En vrai, on veut passer.
Mais pourquoi tu... Pourquoi la barrière? On est attaquant. On est attaquant. Non, explique. Je sais pas pourquoi j'ai mis une barrière. Excuse. C'est toi, Matt? Je me dis, oui, oui. Mais qui a mis une barrière? On est attaquant. Ouais, je sais pas pourquoi. Oh merde, la grenade. Ils sont tous sur... Ok, j'en ai eu un. Plus que 30 secondes. Il est où l'autre? Mais il a pas posé l'autre. Dernier joueur. Spike à terre au B. Bien joué. C'est bon ça. Yes. Éblouis-les, Phoenix. Allez. Oui. Parfait. On va économiser un peu. On va garder la bulldog. Merci Claire, c'est gentil. Merci Rico pour les bits, c'est adorable. Quand t'es face à... Quand t'es en face à face, prêt à fond, spam, c'est mieux. J'ai pas compris, Rico. Dans la tempête, je combats. On est que deux là. Supprimé. Ok. Un ennemi. Ennemi repéré au milieu. Il est en face. Attention. Ouais, je suis chaud, je sais pas ce qui m'arrive. Non, nickel. On a bien joué. Je garde ma bulldog. Bouclier. J'ai soif. Alors Rico, tu sais, ennemi repéré au B. Grenade. Spike à terre au B. Je sais pas qui m'a tué là. Cible abattue. Ouais, ça venait de, c'est venu dans le couloir là. Ouais, bien. C'est pas mal ça. Ouais, on temporise un petit peu. Plus qu'un ennemi. Redevient poussière. Ok. La chance. Dommage. Oh, ils vont le tuer. Allez le chercher. On s'en fout du spike. Allez lui péter les genoux. Allez. Attention. Une balle dans chaque genou. Tac, tac. Mais tire pas quand il est pas là. Foufou, va. C'est le spike. Ah là, le spike. Je saurais tellement pas jouer avec cette. Je te réanime. Merci. T'es mort où juste? À gauche. Pas de surprise. Pas même la mort. Okay, bien joué, Matt. Je vais démonter la 4-0. Et on passe en vandal. On est fous. Et j'ai mon ult. Vas-y, Matt, go!
Peut-être changer un petit peu de côté aussi, non? Tous ensemble. Je te réanime si tu meurs, donc prépare-toi. Tu es mon X aussi, merci Matt. Attention. Je recharge. Spike posé. Je recharge. Parfait. Nice. Nice. Nice, bien joué. Il dit que leur balle le chatouille. Elle est bien cette partie. Il a pris quoi là, c'est Odin? Je vais le laisser passer avec son Odin. Warsaf pose des questions très bizarres. Warsaf demande si on aime les saucisses. J'aime les saucisses thaïlandaises. Mais pour ça, il faut avoir vu mes streams avant. Sinon, t'as pas la ref. Ok, fini de rigoler. Notre partenaire de Spike est mort. Spike a fait. J'ai le Spike. Je contourne. Ah merde, je voulais changer de côté en plus. Ils sont super offensifs. Dernier joueur. Repose en paix. Derrière toi, Matt. Qu'un ennemi. Quoi de moins? Dommage, Matt. Oh non. Nice try. Faut que je me serve de mon ult là. Faut que je me serve de mon ult. J'ai confondu les deux pouvoirs en fait. Dommage. T'inquiète, bah c'est pas ton main en plus. Hein. Vous voyez pas qu'on change de côté, ils vont toujours du même côté. C'est si on peut largement la gagner. Large, large. Tu n'avais pas le choix. Yes. C'est leur regretter d'avoir choisi ce métier. Putain, à nous deux, on fait 20 kills, Matt et moi. C'est tout. C'est tout. J'espère. Ouais, là, franchement, on fait une super performance. Guys, if there is too much people in B, let's go A. Let's try B first, and then we go A. Explose les pogo. Let's go A. Super. Qu'un ennemi. Envoie ton charge si tu peux.
Plus que 30 secondes. Ok, parfait, parfait. Nice. Oh, entouré par ma famille, on peut pas perdre. Merci David. Putain. Ah ok, bah là si ça vient par derrière c'est chaud. Alors on est où là? C'est qui a le spike? Bien joué, bien joué. Fais gaffe, fais gaffe. Nice try, nice try. Bien joué. Oui, vous avez raison pour le crosshair. Merci, merci Pau. Désolé, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Je prends le crosshair. Prends tes responsabilités, ça me les tient. Samuel, on va A pour changer. Let's go. Pas s'y attendre. On se retrouve de l'autre côté. Ah mais t'es pas avec moi là. Ah pardon, putain, j'ai suivi ton personnage habituel. Ah oui, oui, oui. Où, là cherche, ah cherche. Oh non, zut. C'est pas grave, t'inquiète. Excuse-moi. Je vais en A, Matt. Vas-y, je te suis. Dernier joueur en vie. Putain, ouais. Ah, ils sont 4 quand même. Merde. J'aurais dû me cacher plus vite. Bouge pas, Matt, tu vas les arroser après. Bienvenue dans mon monde. Ah, je vais essayer. Mais... Ouais, attends. Bien joué. Bien joué, bien essayé. Je me suis mal caché là. Nous combattons. Je pensais que j'avais le temps parce que je voulais pas me cacher au même endroit que Matt en fait. Et du coup, le temps de trouver, le temps de chercher. Bon, tu vas suivre Matt. Oh. J'aime pas les gens qui tirent quand la partie a pas commencé là. C'est un manque de self-control. Trouvez pas Arc Mountain, je me mets à Valorant. Arrête! Ne retenez pas vos coups. Je me mets à Valorant grâce à toi. Je recharge. Ah non, au fond. Ok, fini de rigoler. Des règlements au cacoral. Ça avait aucun sens, c'était drôle.
C'est leur phénix là, il est bizarre non? On est d'accord, c'est notre phénix hein, non? Comment on fait pour réanimer? Je recharge. C'est ton ultime, c'est ton X. Fini pour eux. Ah, bien joué. C'est ton ultime en fait, c'est ton ult. Donc Ah, ok, oui, je savais pas. Du coup, si quelle touche, je sais pas. Dans une manche. Ça doit être ton X, ta touche X. Tout votre blé, ou donnez-le-moi. Super, super. 8-3. Mourir peut attendre. On va partir mid. Cible repérée au A. Et de 1. Dommage, je tire à côté là. Spike à terre au milieu. Je tire à côté. J'écoute, barrière créée. J'ai le spike. Le devoir t'appelle. Je t'ai réanimé, vas-y. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Mon ulti est prêt. Oh, désolé. Désolé, je suis plus là. Capteur déclenché. Non, pas grave. Qu'un ennemi. Ah oui, wow. Ok. Merci Joran pour le prime. Changement de côté. Allez. Défense. Il est où, Matt? Ok. En B. Je vais en B. Pour ceux qui me rejoignent, Matt... Vas-y, je te suis. Matt, c'est un... On va jouer défenseur calme. Hein. Matt, c'est un joueur que j'ai rencontré, c'est un viewer que j'ai rencontré quelques jours et qui parle doucement parce qu'il a pas le droit de jouer chez lui, donc il essaye de jouer discrètement. Tiens, je te donne mon pistolet si tu veux tester. Je vais vous montrer qui c'est le patron. Merci Matt. Ok. Ils sont A. Y a quelqu'un. Les ennemis en A. Ils sont tous A. Ouais. Ah non, il était caché. Explosé. Posé. Oh, parfait. Désolé. T'as le spike, donc t'as eu. Adieu. Dernier joueur en vie. Ah, putain. Je me suis promené un peu là. Impressionnant ce câblage. Ah dommage, t'avais bien joué. Non mais j'ai pas rechargé. J'ai pas rechargé mon arme en fait. Je le savais. Non, franchement c'était bien. Et je le savais en plus. Après t'avais plus trop le temps mais c'était bien. Je le savais en plus que j'ai pas rechargé. Le fake par contre je suis content de mon petit fake. C'est la première fois que je fais un fake je crois. Je retourne en B. Le fake diffuse était cool, mais je savais que j'avais pas rechargé en fait. Et je le savais, mais je me dis putain, j'ai pas le temps de recharger. On regarde la map. Ils sont encore A, je crois. Ouais, let's go. Y a quelqu'un en bas. Non. Phoenix, mon
150. Il était tout au fond à droite, fais attention. Ouais, il était en face là. Et il est parti. Il est parti. Je suis mort, je suis mort. J'aurais dû balancer une grenade, j'étais con. C'est pas mal ça. Lui joue bien lui. Lui joue bien. Nice. 10-4. Ouais ouais, franchement, super. Matt, attention, si on gagne, tu vas être tenté de refaire une, tu vois. Hein ? Attention, hein ? En vrai, pense à tes études, en vrai, hein. J'ai un TS de maths demain, donc ah, je vais me coucher. Je vais être là. Sinon, j'aurai sûrement continué. Je vais être là pour surveiller. On va se débarrasser d'eux. Ok, fini de rigoler. Spike à terre au B. Spike en B. Allez, on bouge. Quelqu'un au début. Ok, ok. Nouveau combat, nouvelle tactique. Faut savoir innover, les gars. Non, Matt a petit bag. Merci, c'est Popo. Ah. Merci, Jax. Non, Matt, il t'ipague pas. Hein. Mais c'est pas possible! Mais qu'il est con! La fameuse grenade de Samuel que je lance dans mes pieds. Capture déclaré. Attention. Dernier joueur en vie. Pourquoi? Ennemi éliminé. Oh là là, c'est beau ce que tu fais. C'est beau, c'est beau. À gauche. Dommage. Ah non, j'ai bugué. Dommage. Non, non, t'as pas bugué, mais il y avait un deuxième à gauche. Bien joué. Préparez-vous, nous nous battons une fois encore. Putain, je me suis jamais mis là. C'est bien d'essayer des choses. Vous en faites pas, je suis là.
Spike posé. Question B. Y'a quelqu'un pour toi. Éliminé. Affronte tes peurs. Oh putain. Deux grenades que je rate. Dernier joueur. Vous avez le droit de vous moquer. Vous avez le droit de vous moquer. Vous avez le droit de vous moquer. Allez. Ultime prêt. C'est Varna et Reba. Tout va bien. Oage 32, merci pour l'abonnement offert à la commu. Stately 06, merci pour le prime. On gagne la guerre. Au boulot. Il y a Babylonia qui dit on est là pour jouer chill les gens. Qu'est-ce qui se passe Babylonia? Est-ce que quelqu'un ne joue pas chill ici? Est-ce que quelqu'un dans le chat s'est trompé de chaîne? Est-ce que quelqu'un s'est cru sur Twitter ou que sais-je? Il y a Oage qui régale qui vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. Quoi, il y a quelqu'un dans le chat qui s'est pas bien comporté? Oh là là, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de fuite possible. C'est en A. Mais il y a quelqu'un en B aussi là. C'est en A. C'est passé quoi dans le quoi dans le chat? Quelqu'un qui a pas compris la philosophie de la chaîne. Ça arrive hein. Oh non. Plus qu'un ennemi. Bravo Matt. Bravo pour la partie. C'est cool. Non, bravo à toi aussi. Une seule partie et partie gagnée quoi. Bien joué. Bon en tout cas bah, Matt, bon DS demain alors. Bah merci beaucoup. C'est merci. À quelle heure? C'est 13h-15h. Donc t'es en... Là t'es en quoi? T'es en série scientifique? Ouais, je suis en première et c'est interro SP Matt. D'accord, bah et bon courage alors. Là c'est bien, tu vas pouvoir dormir un petit peu. Bah si, c'est, en vrai c'est cool. Il est tôt. C'est vrai. Merci Matt. En tout cas, super partie. Ouais, c'est gentil. Mes meilleures parties. Avec. Ouais, elle était cool. Bon, après, je pense que les gars en face, c'était pas super fort quand on a pensé quoi. Ouais. Bah, en vrai, ils avaient tous à peu près le niveau vert. Donc, allez. Le chat est très en forme. Il y a Pag qui te dit Matt fait des maths. Voilà. Voilà. Bon, bah merci à toi. Salut Matt. Merci au Bonne chat. Nuit. Et, ah oui, je voulais aussi remercier Bandini. Bandini, je sais pas si t'es là. Il y a aussi pas mal de gens dans le chat. T'es tous vraiment super gentils. Merci Matt. Salut Samuel, moi je te laisse. J'espère que tu vas continuer de gagner. Parce que là, je vais essayer d'en faire une autre. Tout le monde te dit bonne nuit et tout le monde te souhaite un bon DS demain. Merci. Bah, merci beaucoup à tous. Et il y a Bandini qui dit tu mérites Matt. Merci, bye bye. Salut Matt. Trop gentil. Hein. Allez, on se fait une dernière par contre, parce que moi aussi, il faut que je sois. J'ai un DS moi aussi demain. J'ai un DS revue de presse demain matin. Rendez-vous à partir de 9h sur ma chaîne pour une revue de presse. Je ne l'ai pas faite ce matin parce que justement, j'ai joué trop tard la nuit dernière. Donc, DS d'actualité demain. Merci Gatsa pour le Prime. Merci encore Oage. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le chat? Racontez-moi pendant qu'on attend la prochaine partie. Il y a quelqu'un qui a dit une dinguerie? Racontez-moi. Tu dors combien de temps, Samuel? Bon, ce qu'il faut. Ah, c'est un gars qui bully Nightbot? Hein? Ok, super. Quand est-ce que tu commences à retourner question pour un champion? Bah là, j'ai pas mal de stock à question pour un champion. Je retourne dans 3 semaines, je crois. Tu dors plus depuis que tu fais plus la matinale ou tu es resté sur ton rythme? Je pensais dormir plus et en fait comme je me suis pas mal réinvesti sur d'autres trucs et notamment sur Twitch avec pas mal de... Il y a ce que vous voyez ici puis il y a tout ce que j'essaie de développer qui prend vachement de temps
mon rendez-vous, tout ça. Bon, bah, du coup, en fait, je dirais que je pardon. Je dirais que je travaille autant qu'avant. Mais peut-être que je m'amuse encore plus. Déjà qu'avant, je m'amusais déjà pas mal. Pas d'instaloc ici. Ici, on n'instaloc pas. C'est pas cool. Chercher de l'eau par contre. Par contre, c'est la dernière partie. Hein. Bon, après, là, je suis pas raisonnable et tout. Mon amoureuse, Hélène, hyper gentille, elle me dit eh, fais gaffe quand même, tu dors pas beaucoup et tout. 4 duelistes, ça va être beau. Il y a quelqu'un dans le chat qui vient d'accepter une offre d'emploi en VIE à New York. GG. T'as la belle vie, quoi. Bravo, c'est cool. Bravo à toi. Trop bien. On est quoi ? Attaquant. Ok. Non, ouais, c'est ma dernière. Non, c'est ma dernière. Même si je la perds, c'est ma dernière. Bonne nuit, Alexandra. Repose-toi, Alexandra. Waouh. Il y a Wash qui vient encore d'offrir 5 abonnements à la commune. Wash, merci. C'est du régal. Ah non, mais moi sur une défaite je parle. Voilà, sachant qu'on a fait 2 victoires d'affilée là. Ça va, j'ai mon compte. Hein. Putain, mais. Pour moi, il n'y avait aucune chance qu'il soit là quoi. Ça bougeait pas et tout. La mort la plus rapide de l'Ouest. On a 3 morts là. Alors lui, derrière son petit mur là. Ok, ça va être chaud. Salut Nislo et merci pour ton gentil message. Oh là, la déconcentration du jour français là. Bonne nuit Claire. Non, ça se meurt pas, c'est juste qu'on n'a pas été concentré. Attends les gars, ils avançaient tout doucement, c'était super dangereux, j'aurais dû nettoyer avec une grenade. Non, ça se meurt pas là. Ennemi mort. Ah, ça se me refait pas là. Ah. Ah ouais. Comme le dit Manon Turner, il y a personne qui se meurt là. Ouais. Le soleil est si aveuglant. Vous en prie. On est d'accord. Merci Gatsa pour l'abonnement que tu offres à Capitaine Laser. Merci à toi. J'aime les gens qui tirent au début comme ça, sans. Ça n'a aucun sens, j'adore ça. Là, il y a du monde pour tirer. Dans 2 minutes, il n'y aura plus personne. C'est parti. Faut pas exploser. Leur vision diminue. Oh la honte. Oh la honte. Plus aucune charge. Ah, je me reconcentre là. À partir de maintenant, je gagne toutes les manches tout seul. Parce que c'est pas possible. Dernier joueur en vie. C'est pas possible ça. Spike à terre. La soigneuse est morte. Ouais, beaucoup trop à découvert, ouais. Notamment, ouais. Entre autres. Tente d'attaquer, mais. Hey. À droite, à droite. Merci Asperger. C'est quoi ce pseudo Asperger. Quelqu'un dans le chat qui s'appelle Asperger de jus. Merci Asperger de jus pour ton message. Ouais, je vais rester focus parce que là je suis pas focus. Je pense que c'est l'appel de la couette. Je sens mon lit tout chaud. Puis le doliprane aussi parce que j'ai attrapé un petit coup de froid, j'ai la gorge qui pique. Merci Barbare l'éléphant. Barbare l'éléphant joli.
Babar l'éléphant, Barbare l'éléphant, joli. Leur vision diminue. Je recharge. Je t'ai eu. Je recharge. Percé en cours. Dernier joueur. Oh bah merde alors. Ah bah merde alors. Il est où Spike? Ok, t'es à 10 km du Spike. Ouais, bon. À droite, à droite. Bah oui, enfin, c'est... Okay. C'est moi ou c'est téléporté de l'autre côté? Choisissez votre plus belle arme. C'est logique qu'ils reviennent sur ses pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je vais économiser. On va gagner cette partie. Alors c'est mal parti, mais on va gagner cette partie en fait. Bonne nuit, Astreos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne des conseils sur Valo? Plein de gens super sympas. Weeper, Downblade, Paul, vous tous. Voilà. Tous les viewers de ce chat, même ceux qui ne le savent pas, sont des spécialistes de Valo. Ici. Et me donnent énormément de conseils. Ici. Plus aucune charge. Vision rétro. Plusieurs ennemis au B. Grenade. Je recharge. D'où il sort? Mon ultime est prêt. Je m'en occupe. L'heure. Oh mais pourquoi c'est pour moi? Putain, j'ai plein de mates, tirez dessus. Pourquoi moi? Tirez sur les autres un peu. Dernier joueur en vie. Spike à terre au B. T'es très loin du Spike. Ah 4-0. J'ai bien fait de prévenir que même si je perdais celle-là, je m'en allais. Hein. Wizard, merci pour le prime. Soit 5 ou 50, je m'en fous. Allons-y. Le mat me manque, hein, en vrai. Hein. Je recharge. Ça se renverse, ça se renverse. Il est l'heure du mat, là? Non, il est minuit 45. Be careful, Sage. Sage is always back, like here. Ok. And here, so careful. Okay. C'est pas faux ce qu'il dit. Viper, you need to put a wall. It's your job. Putain, le mec vient de me dire. Le mec vient de me dire, fais gaffe, il est toujours là. Je suis débile. Je dis, ouais, pas de problème, j'ai entendu. Dernier joueur en vie. Pas de problème, frère, j'ai entendu. Wake up, Viper, wake up. Please, can you put a fucking wall? It's your character, please. Putain, merde. Merde. I won't tell you that twice, please. I won't tell you that twice, please. Pauvre chou. Il est en colère. GG Reyna. Putain, il est en colère. Oh putain. Right, nice try. Je crois que c'est le chef. Aucun de mes équipements n'a encore. Je crois qu'on a trouvé notre chef là. Et si on fêtait ça? Ok Viper, follow my ping and put a wall on it. Ok, okay Viper, tu follow le ping et tu mets un ici. Wall. Ok. Ici. Vas-y Viper. Your turn. Voilà, nice, I'm proud of you, GG. That's nice. La chasse commence. Leur vision diminue. Oh puis non, c'est bon, je m'en vais, allez salut. Allez, fin du stream, bye. Dernier joueur en vue. Spike à terre au B. It's okay team, it's okay. We
I understood how to play, so that's pretty good. Hein, c'est énervant, hein. Sérieux. Parfait. Lui, il était AFK, lui. Putain. Bon, elle est pas belle, cette partie. Ah, Kimolia dit, j'avoue, c'est pas drôle, quoi. Elle est pas belle, cette partie, en vrai. Allez, je remonte la game, moi, tout seul. Je vais rester en retrait, je vais faire des kills tranquilles. Regardez, je crois qu'il y en a, attends, il y en a deux AFK. C'est... On est plus... Ah, il y en a un qui est complètement parti. Oh là là, ça va être chaud. Regardez, on est 4 contre 5. Il y a un chef qui s'énerve. Il y a moi qui en touche pas une. J'ai fait un kill depuis le début. Je recharge. Spike est mort. Spike à terre au B. Dernier joueur en vie. Mon ultime est prêt. J'ai le spike. Plant the spike, plant, please. Ok, fini de rigoler. Right here, nice. Spike posé. Phoenix was low. But be careful, he might heal himself. Oh, nice. Ta gueule, laisse-moi. Be careful, hide. Laisse-moi bosser. Wait for him. Chut. Tais-toi, putain. Easy, GG, bro. Ok, les gars. Ah, je supporte pas ça, les gars qui... Putain, il me cache les... Bon, il me cache les bruits, en fait. À nous, maintenant. Il me cache les bruits. Ok, let's win. Je déteste ça. Mec, il a failli me faire rater le truc. Non, il m'encourage pas du tout. Il faut que j'entende ce qui se passe. Le mec avec sa grosse voix, là. On n'a pas besoin de ça, en fait. Le mec, en gros, je faisais un truc, il me disait, ouais, c'est ça qu'il fallait faire. Merci, je viens de le faire. Et en fait, il me cache tous les bruits. Non, c'est pas du tout encourageant du tout. Parfois, il y a des leaders... That's a great wall. Parfois, il y a des leaders un peu inspirants. Lui, il est juste casse-couille, en fait. Oh non! Putain, je fais ça, ça fait. Whoa. Je sais plus me servir de ma grenade. Ouais, je sais plus me servir de ma grenade. Je recharge. Je recharge. Notre porteur de spike est mort. Spike à terre au A. Il est là-haut. Okay. J'ai le spike. Dernier joueur en vie. Spike à terre au A. Ah, c'est un. Faut marquer le seul point, c'est moi. Des batteries ambulantes. Et j'ai besoin de me recharger. Mon ultime est prêt. Ok, you know what? Just let them come, sorry. C'est un français? Just wait for them. C'est quoi cet accent? C'est un français, and en fait? Just hide. Attends, c'est trop un français. And kill them. C'est un français. C'est évident. On est d'accord? Cet accent, c'est un français. Non mais si, cet accent, c'est un français. Non, je vais pas lui demander. Putain, c'est Cyril Ferrou, ça se trouve. Ok, on a dit qu'on faisait des kills, hein. Let's go. Ah non, c'est un accent français. C'est un français qui se la raconte. Like that. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ici. Oh non, mais ta gueule. Ok, notre oui, partenaire de Spike est mort. Spike à terre, au départ. Dernier joueur en vie.
Behind you, careful. Yeah. You heard. Ok, j'avais pas vérifié. Nice try. I mean, that's alright. Dites-moi juste qui est le gars qui parle. C'est quel perso par contre. C'est qui parle. C'est qui le gars là. C'est qui le gars là. C'est quoi le personnage. C'est Jet. Oh non, c'est pas possible. Oh, ça va être tellement plus calme. Oh, vous allez voir la différence là. Ça va être tout calme, tout calme. Ah, mais vous allez voir. L'heure du carnaval. C'est une autre partie qui commence là. Non, il est pas gentil, c'est un casse-couille. Leur vision diminue. Porteur de Spike éliminé. Spike à terre au B. Bah on va tuer des gens, allez, go. Dernier joueur. Trop tard. Ouh là là. Ils peuvent toujours essayer de m'attraper, si ça les amuse. 9-1. Arme à feu ici. Arme à feu ici. 9-1. Merci Doumen pour le raid, j'avais pas vu. Merci Procosénet. Procosénet. Oh, 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 oh. J'avais pas compris. Procosénet. Fuyez devant moi. Vision réduite. Proco, c'est net. Ennemi repéré au milieu. La soigneuse est morte. Dispersion. Profitez, c'est les dernières minutes de ce stream. Après, je vous retrouve demain matin pour la revue de presse. Et demain soir, une partie de Valorant un peu spéciale. Un peu spéciale. On est 5 de la même équipe avec Juliette Ars qui m'a fait découvrir ce jeu. Avec Pépipin, avec Joe Coco. Et avec K.O. Une équipe de fous. 3 n'ont jamais joué à ce jeu. Quasiment. Juliette Ars, elle joue bien. Et moi, ben, je suis là. Demain soir 20h30. La revue de presse demain matin 9h les amis. Donc là 10-1, je vais tout faire, mais je pense qu'elle va être compliquée celle-là. Changement dans une manche. Ça fait du bien depuis qu'on n'entend plus le capitaine. Spike est à terre. Spike à terre au B. Vision réduite. Dernier joueur en vie.
Ah dommage, dommage, pas mal ça. C'est le phénix qui m'a shooté en face là. Changement de côté. Peinture ? Ok. Non, 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 on se rend pas jamais. Frein ? Jamais, jamais. Oh, non, ça j'ai pas. Jamais on se rend. Jamais on se rend. Dernier joueur en vie. Spike à terre au B. Ok. C'est mon petit phénix. Point gagnant. On est là parce qu'on est les meilleurs. Les meilleurs, ne les meilleurs. Tu exagères un petit peu quand même. Donc c'est bien parce que du coup les gens qui connaissent pas ce jeu sont en train de se faire expliquer ce que c'est Smurfy. Ça n'est pas du hip-hop. Et là effectivement il y a un joueur en face qui est pas du tout du niveau des autres joueurs. Je m'occupe de leur omen. Ok, je m'occupe du phénix. Ils sont où ? Ils sont en A ou c'est pour ma pomme dans une seconde. Oh là là ! Dernier joueur en vie. Au couteau là ? Phoenix au couteau là ? Oh putain. On est d'accord que c'est pas cool là. Il y a Bandini qui dit Sam, réfléchis bien si tu arrêtes ce stream sur cette partie, je prends une douche. Je suis désolé, mais il faut que je me repose et puis je sens que ma gorge pique. J'ai pris un peu froid et je voudrais bien finir la semaine et demain matin à la revue de presse parce que j'ai quand même bien joué. Dans ta gueule, Phoenix. Spike posé. Dans ta gueule, Phoenix. On va pas le signaler, il fait ce qu'il veut. Si ça l'amuse, franchement, à son niveau de venir tuer des débutants, bon ben. C'était bon, c'était pas... T'as mis le seul point de ton équipe, ouais c'est vrai. Et oui c'est vrai. Eh les amis, je me suis régalé, vous êtes formidables. Et merci de votre patience d'avoir un chat aussi chill. Voilà. Ah j'ai le deuxième score de l'équipe, ouais. Ok d'accord. On est fer 2 limite hein. Voilà. On m'a dit que je pouvais débloquer un agent tout à l'heure. Je sais pas où on débloque les agents. C'est dans collection ? C'est dans boutique ? Non. C'est où les... C'est là, je crois. Non, ça, c'est le marché nocturne. Où est-ce qu'on débloque les agents, les gars ? Ah bah, c'est marqué en gros agent. Ah, Pogo, ouais. Elle, je la vois souvent, elle. Ah oui, d'accord. C'est du chinois pour moi. Même les textes, je les comprends pas.
Non, il faut tellement s'entraîner sur un personnage pour le maîtriser. Je le vois souvent, lui. Fade. Là, on le deadlock. Oh, c'est chaud, hein. Ils ont l'air tellement compliqués. Oh. Salut Defecator. Gecko, c'est le plus facile à jouer ? C'est qui Gecko ? Allez, je vais prendre Gecko. Je te... Lui ? Ok, let's go. Gecko. C'est le truc à droite, là ? C'est ça, hein ? Je sais jamais. C'est à droite, hein. Ou c'est le truc à gauche. C'est un test pour voir les gens gentils et honnêtes dans le chat. C'est K8000 à droite ou c'est 1000 à gauche? Ok, 8000 droite, ok. Oh, j'ai pas vu le raid Defecator. Ok, tout le monde dit à droite, ok. C'était un test pour voir s'il y a des gens gentils ici. Vous êtes tous gentils. Eh hey, Defecator, merci beaucoup pour le raid, c'est adorable, merci. Merci Doumen pour le raid. Bon, on a débloqué un nouveau personnage. Ok. Les amis, un grand merci. C'était une belle soirée. Je vais quitter ça et je vais vous rappeler que demain soir, on a un stream assez sympa qui devrait être... Mais venez demain soir, on va rire. On va rire. On va vraiment rire. Je vous montre le visuel. Demain soir, on a 7 soirées. Ça va être n'importe quoi. Annie vient d'offrir 25 abonnements à la communauté, là, en fin de live, comme ça. Annie, tu régales, merci. Annie, tiens, je te délie cette émission demain. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Demain, regarde Annie. Demain, on fait une Valorante à partir de 20h30. Voilà. Juliette Ars, que vous voyez ici, c'est la streameuse de Montpellier. Juliette, c'est elle qui m'a fait découvrir Valorante quand elle est venue dans Samplay il y a quelques semaines. Tout ça, c'est grâce à elle. Sans Juliette, sans le jeu. Non, mais putain, je vous ai pas mis le... Là. Sans Juliette, moi qui ne mettais pas l'image. Sans Juliette, il n'y a pas Samuel sur Valorant, voilà. Donc, elle était tellement désolée de me voir jouer, elle me trouvait tellement mauvais, elle était tellement gentille, elle se moquait beaucoup de moi. Donc, Juliette revient, voilà, donc vous dites, waouh, Juliette, ça va carrer et tout, quoi. Donc, il y a Juliette, il y a Joe, si vous connaissez Samuel, vous connaissez Joe, hein, et quand je suis là, il est là, voilà, c'est mon poteau, c'est mon partenaire. Joe, sauf qu'il n'a jamais joué. Ouais, il est en train d'installer le jeu. Il n'a jamais joué à Valorant. Ok. K.O., elle est venue dans Samplay, m'a fait découvrir A Plague Tale, magnifique jeu français au temps de la peste. K.O., super, elle a un sens de l'humour de fou, elle est super gentille. K.O., elle a déjà joué à Valorant, mais il y a très longtemps. Voilà. Et Pépipin, notre graphiste, notre artiste, notre streameuse préférée, c'est elle qui fait tous les visuels, dont ce visuel de la chaîne, et les badges, le joli badge des 30 mois. ZQ, tu te moques du visuel de Pépin, là ? ZQ, tu viens de te moquer du visuel de Pépin ? Ok. Tu viens de te moquer du visuel de Pépin, là ? Je suis sur ton compte, là. ZQ. Jamais. Ok. Non. Ouais. Ok. Ok. Donc Pépin, notre graphiste, notre artiste préféré. Le joli badge des 30 mois avec le mug blanc et le cœur rouge, 7L. Voilà. Donc, et Pépin, elle n'a jamais joué non plus. Donc, je répète, Pépin n'a jamais joué, Joe n'a jamais joué. Moi, c'est comme si je n'avais jamais joué tous les soirs, je recommence à zéro. Hein. K.O., elle a un peu joué, c'était longtemps. Juliette, elle va péter un câble. Juliette, elle va péter un câble. Ne ratez pas cette soirée, c'est demain à partir de 20h30. On va se régaler. Il y a Acharnard qui dit, mais comment le jeu va trouver 5 autres de ce niveau? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Pourquoi il n'y a pas Raze derrière? Ah ouais, ce visuel a un défaut, un seul. Il n'y a pas Raze. Voilà. Joe est un fast learner, ça je suis sûr. Alors comment le jeu va trouver une équipe aussi faible demain? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Ça, c'est ça qui va être compliqué. Vous ne voulez pas rater cette émission. Xélis, merci pour le Prime. Annie, encore merci pour ces abonnements offerts à la commune il y a un instant. Je vous aime. Mettez-moi de l'amour dans ce monde. Mettez-moi de l'amour dans votre cœur. Mettez-moi du bonheur. Mettez-moi de la lumière. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accompagné ce soir. Je vous retrouve demain matin. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Rien. En revue de presse. Voilà. Je le réveille à sonner vers 5 heures. Je vais lire les journaux pour vous, vous informer. Vendredi matin, on sera avec nos amis de West France dans l'Hebdo Etienne. On a invité les gens de Libération il y a 15 jours, de L'Opinion la semaine dernière. Vendredi, c'est West France. Et dimanche, dans Samplay, on découvrira Baldur's Gate 3. Voilà une partie du programme de cette semaine. On fait un petit raid. Je vous écoute. Qui est en live actuellement ? Peut-être pas des gros streamers, des grosses streameuses, mais des gens qui ont besoin d'un petit coup de main. Ouais. Quoi ? Alors là, je vois un truc sympa. Attends. C'est pas une petite streameuse, mais je vois une propale très sympa. Ok. Juliette est en live ? Ouais, bah Juliette est en live, mais je l'ai déjà raid hier soir. Juliette Arz est en live. Ouais, allez, je vous montre Juliette. Ah ouais, Juliette, c'est. De toute façon, sans elle, je suis pas là donc. Elle est sur, par contre, elle est sur Apex. Ah, elle est sur Apex, elle n'est pas sur Valo. Ah, on propose quelque chose. Vous êtes plusieurs à me proposer quelqu'un. Là. Tu vois. Apex, ça vous plaît, Apex ? Je regarde. Ok, ouais. Ah, ok. Je vois. Je me prête jamais pour les raids parce que c'est important. Ok. Merci, monsieur Clou. Ouais, ok. Alors, je regarde encore quelqu'un que je connais pas. Ok. Amy, comment tu dis Amy ? Parfois, j'hésite. Ah, j'ai déjà raid. Ah, attendez, j'ai trouvé. Alors, l'ami Bandini qui nous soutient beaucoup le soir me fait une propale. Donc j'ai envie de faire plaisir à Bandini, voilà. Et puis tu n'étais pas le seul à me proposer cette streameuse. C'est une streameuse. Ce soir on reste dans l'univers de Valo. Voilà, 130 viewers actuellement sur la chaîne de Haven Fox, H-E-A-V-E-N Fox. Je vais charger le raid. Hop. C'est parti, ça part dans quelques secondes. Passez une belle soirée, j'espère que vous allez dormir un petit peu quand même, c'est tard là. Hein. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. On se retrouve demain matin dans la revue de presse, demain soir pour une soirée Valorant 2 folie, on va bien rigoler. Voilà, c'était bien ce soir, merci Alain. C'était bien, le raid part dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, vous êtes de belles personnes. Bonne nuit, bonne soirée, à demain, ciao ciao. Merci beaucoup pour le raid. Bon, attendez les gars, je vous mets pas la pression, mais je viens de prendre un raid de Samuel Etienne de 1800 viewers, donc faut le gagner les games.